Coucou Pour Patty. Manous. Comment tu vas, petit Manous? Donc ce soir, enfin cette nuit, coucou Marie. On va compter beaucoup sur Marie. Voilà, elle est Voilà. bien. C'est bien que tu sois là parce qu'on avait peur que tu sois pas là. J'espère que t'es en forme. Ouais, on l'espère parce que Coucou Dylan. on lance pour la première fois le jeu Farming Simulator 19. Je ne connais absolument rien, Patty non plus. Et je sais Non. même pas ce qu'il faut faire au départ. Enfin, j'imagine qu'il faut acheter une ferme, mais voilà. On n'a même pas fait de didacticiel. On attend son... on attend Marie. Marie, comment on fait là? Donc, il va falloir nous aider parce que je vous dis, je suis perdu. Déjà, pour mettre la résolution en 1900, en 1900 par. Enfin, au départ, c'est pas la bonne résolution, c'est en 1200 et quelques, je sais plus quoi. J'ai merdé à fond pour trouver parce qu'il fallait pas lancer d'abord un serveur, il fallait être dans le menu. Enfin voilà. Oui, 1920 par 1080. Merci Mouenous. Donc j'ai merdé là-dessus. Le son aussi, mais j'ai trouvé dans les menus. Donc voilà, ça c'est bien. Maintenant, bah voilà, on est là, on est devant une cabane. Une sorte de petite cabane, petit cabanon. Attends, je mets mon Est-ce qu'on a des mousse. sous? Est-ce qu'on n'a pas de sous? J'en sais rien. Déjà, j'espère que vous avez réglé le tout parce que c'est au tout début. J'ai rien réglé, moi. Je ne sais pas. Régler quoi? Régler quoi? Parce que j'ai rien réglé. Ah, Regardez comme il est beau, Rudy. je sais pas, moi je connais rien là-dedans. Je vois qu'il y a Cathy et moi. Voilà. J'ai un solde de Ah. 0 euros. J'ai trouvé comment mettre la lumière, c'est F. Bah les touches et tout, faut pas aller sur un serveur. Bah les touches et tout, faut pas aller sur un serveur. Mais les touches, elles sont déjà mises. Regarde, elles sont là. Mais c'est pas moi qui les ai mises, c'est de base. Bon, j'ai 0 euros, c'est normal ça. Déjà, c'est beau, hein. Voilà, déjà c'est beau. Et on peut se déplacer, on peut avancer. Ah, Regarde. par contre, tu marches comme un bougol. Ouais, bon, ça c'est. Toi aussi, comme une fermier, comme un camionneur. Merde, je t'ai perdu. Mais t'es où? Ah, t'es là-bas. On peut courir aussi, comme Prince. Ah ouais, je trouve que se déplacer, c'est pas terrible. Ça fait moche. Oui. Ils auraient pu faire mieux quand même. Marie, il faut faire quoi? On est Vous sur êtes sur... Ravenport. Ok. Ouais, sur le premier qu'il y avait par défaut. Oh, t'as vu une église là-haut? Ah bon? Oh, t'as vu une cascade là-haut? Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. On va attendre ce que Marie nous dit, parce que nous, on sait pas. Oh. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute façon, on ne connaît rien. Attends, pourquoi il y a des maisons par là? C'est quoi? Tu peux courir. Ah ouais. Arrête de me faire courir, tu me perds quand je te cours aussi. 0 euros, tu vois, c'est pas logique. Tu as mis quoi en difficulté? J'ai rien choisi, moi. Non, des fermiers, des fermiers. Merde, de 0 euros, c'est où que j'ai vu ça? Là, ici, solde 0. C'est où la difficulté? Marie! Et comment tu fais pour aller dans un truc de menu? Échappe. T'es en normal. Et c'est bien d'être en normal. Ah, on peut sauter? Ah Ouais! ouais. Est-ce qu'on peut s'abaisser? Ah non, on peut s'abaisser. Yeah, Dinylan, bonne année à toi aussi. Des gros bisous, mon Ilanou. Bonne année, Dylan! T'as vu, on est sur un nouveau jeu pour nous. Ouais, on Et c'est s'éclate. Marie! C'est Marie qui va-tu nous aider? Elle va nous dire comment on va gagner nos premiers euros, parce qu'on ne sait pas, nous. Voilà. Et est-ce qu'on peut être ensemble? Est-ce qu'on peut travailler ensemble, en fait?
Nilano, Farming Simulator, tu connais aussi Nilan? C'est notre premier, nos premiers instants dessus, les premières minutes. Vous êtes pas sur la même partie? Bah si, parce qu'on se voit. Ouais. Coucou. Et c'est une partie que j'ai créée pour Cathy et moi, hein. On est que deux Oh, dessus. il y a un corbeau là-bas qui marche. Je l'ai vu. Il est parti dans les herbes. C'est vrai que c'est beau, hein, comme décor. Ouais, très très beau. Nilan vie, j'y ai joué un peu en coopération, c'est assez cool. Seul, c'est compliqué. On fait quoi maintenant? J'avais vu qu'en faisant 9, ça grandissait la carte. D'accord. Le 9 alpha numérique. Ah ouais. Tu peux le faire disparaître ou plus grande. Bah, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Cody, il faut que tu crées ta ferme. Bah comment tu fais? Cathy rejoint la ferme de Rudy en faisant échappe. Alors je fais échappe. Non mais elle est déjà sans... J'ai pas de ferme, elle peut pas rejoindre ma ferme. Bah ouais. Donc il faut que tu crées ta ferme. Et Ouais, créer une après. ferme. Attends, mais je veux pas la créer ici, bon. Si, je veux la créer ici. Non, t'as raison, faut que ce soit beau, hein. Là, c'est moche ici, hein. Viens, on va chercher. Attends. Tu marches comme une mongole. Ah, faut créer la ferme et on aura des sous. Mais la ferme, on le crée. Faut aller à l'endroit où on veut le créer, j'imagine, non? On va dire, l'emplacement de la ferme, tu peux pas la choisir. Ah bon? Ah bon, mais c'est nul. Viens, reviens au centre. C'est complètement. C'est compliqué là, non? Parce que là, c'est marqué 19 là. Information du genre possédée par Rebecca O'Connor. C'est qui celle-là? Je sais pas. Avec 7 et 8, la vitesse du jeu, d'accord. Là, je suis en vitesse normale. Il se met là où il veut, suivant le terrain. Ah bon? Bon, je vais créer ma ferme alors. Allez. Archer. Hop. Alors le nom, ça va être la ferme de Rudy et Cathy. C'est le mien, ça. Ah oui. Deux. Oh là là. Voilà. Cathy et Rudy. Voilà. Faut un mot de passe pour la ferme. Ah ben, on va pas le dire ici. Bah non. Et après, la couleur. Couleur de la ferme. Vais mettre la première couleur vert. Mot de Mot passe, de tu t'en fous, passe. il y a que vous sur la map. D'accord. Ok. Je ne peux pas de mot de passe, quoi. Non. Rejoindre la ferme. Vas-y, fais rejoindre une ferme. Échappe. Rejoindre la ferme. Ça y est. Ouais. Après, échappe, retour. Ou modifier la ferme, c'est quoi ça? Ah Donc ouais, là, non, elle on n'a pas s'en été fout. créée. Si? Bah si, Bah logique, si, elle hein. est créée, hein. Donc là j'ai 1 250 000 euros.
Ah ouais, moi aussi. En fait, c'est des sous partagés. Sûrement. Hein? Elle est où la ferme? Bah Ben, sûrement. je cherche. Ah, elle est pas faite. Elle est pas là. Voilà. Ensuite, Cléati clique sur la ferme verte. Ah, j'ai déjà pas fait? Si, j'ai déjà fait. Alors ensuite, échappe, appuie sur X et tu achètes un terrain. Ah bon? Échappe. X. Comment tu fais? Moi, quand je fais échappe et X, il se passe rien. Ça change de couleur. Mais c'est où le mieux? Attention au prix. Ah ouais. Attends. Je vois pas les prix. Ah! Attends, si, c'est quoi le prix? Je sais pas où c'est les prix par contre. Ah si là. Ah, tu peux ranger par type. Ah, bah non. 428 000. T'as vu où les prix? Bah tu peux cliquer sur les trucs et t'as les prix 438 000. Oh, c'est fou. 644 000. Ah ouais. Il y en a tout petit à 313 000. Mais il vaut mieux quoi aussi? Il faut faire quoi là-dessus? En bas, Cathy. En bas. Et là, pourquoi il y a déjà des trucs dessus là? Tu vois, il y a déjà des choses dessus là. Moi, je vois rien en bas quand j'en clique. Tu vois là, Marie, il y a des... c'est normal qu'il y a des... c'est parce que là, c'est déjà fait ou... Commence pas trop élevé, tu as le matériel à acheter. Ok. Je vois Alors, il y pas les a prix, moi, déjà, ça... voilà. ta valeur en bas. Quand tu cliques sur un terrain. Je clique sur un terrain et je vois pas valeur. Ah non, on est là-bas au 19. Ça coûte rien ici, ça coûte 210 000, Marie. C'est bien ici, hein. Là où on est. Rudy, Rudy, oui. Ben oui, j'écoute, la garde. Regarde Marie, c'est... Moi, je suis désolée, mais je vois pas valeur quand je clique sur un terrain. Fais Voilà. X avant. C'est 200... 210 000 celui-là. Bah ouais, même en faisant X. Mettez-vous en gérant de la ferme. Oulala. Oulala. Attends, bah je quitte. Comment on revient à la ferme? Je sais pas. Ah, toi, tu es déjà administrateur? Ouais. Moi, je suis rien du tout. Putain, c'est trop compliqué, hein, sérieux. Va sur la recherche, la ferme et échappe. Bah échappe, ça fait retour. Ouais. Faut pas aller sur la ferme. Marie. Non, bah, attends, Cathy. Marie, elle va péter les plombs. Voilà, on est sur ferme. Donc la ferme de Dis-moi, comment Cathy t'as fait? Rudy. Comment t'as fait? Non mais là je sais pas pour l'instant. Ah bon? Marqué qu'il y a deux joueurs. Modifier la ferme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il n'y a rien. Ah, je peux rien faire de plus, hein. Je sais plus pour gérer la ferme. Putain, mais Marie, on a tellement compté sur toi. Ah, Cathy, tu te rappelles? Ouais. On s'est dit avec Marie, on va acheter le jeu, ça va aller et tout. On n'aura pas de problème. Merci beaucoup pour ton follow 47170. Bienvenue à toi. Et là, elle nous parle de gérant, je peux même pas, regarde, je peux même pas mettre gérant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais Milan, qu'est-ce qu'on fait? c'est énorme tout ce qu'il y a là. On n'a pas d'animaux. Nous, on veut des animaux. Qu'est-ce que c'est ça? On peut faire des contrats avec des gens. Ah ouais. On a des récompenses, on a de l'argent. Ok. Je sais pas, je vais devoir y aller, moi. Ah bon? Oh, sniff. Ah, renvoyé en tant que gérant de la ferme.
Ah, c'est là. Ah, Marie a dit stop. J'ai trouvé Marie. Ah, Nilan, il travaille demain, mon pauvre Nilan. Bah, bon courage. C'est gentil d'être venu, mon petit Nilan. Des gros gros bisous, bon courage. Alors, Cathy, promouvoir gérant de la ferme. Voulez-vous vraiment promouvoir Cathy et en faire le gérant de la ferme? Oui. Voilà, c'est fait. Ah, je suis gérante, mais toi, t'es administrateur. Et elle gère en même temps. D'accord. Ok, bah c'est fait. Attends, moi, on te propose de te mettre gérant de la ferme aussi. J'essaye, hein. Voilà. Coche toutes les cases. Ben, peut pas les cocher. Marche pas. Bonne nuit, mon Ilan. Des gros bisous. Bonne nuit, Nilan. Donc je peux rien cocher là. Hein. Voilà, tu vas pouvoir acheter maintenant ce qu'il faut et tout. Hé, hey, Vaxa! Coucou! Putain, Vaxaris de retour. Yeah! Salut, de Luna de Green, tu passes à une fermière? Ah bah oui, hein! Marie, elle a beaucoup de boulot. Marie. Bonne année, mon petit Vaxa! Plein, plein de bonnes choses! Vaxaris, c'est Yannick, faut pas le dire. Bonne année à vous tous. Des gros bisous, mon Vaxa. Tu connais, toi, Farming Simulator? Bonne année Yannick! D'accord, maintenant achète ton terrain pour la ferme. Donc tu vas me dire ce que t'en penses Marie, d'accord? J'avais trouvé celui-là. Là où on est, là, il était pas cher. Et en plus on y est, donc c'est vachement bien. C'est celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Il fait 210 000. On Coucou a le temps, petite hein, de toute façon. caféine, bonne Coucou année à toi caféine! aussi, des gros bisous. Ah bah enfin il y a la valeur qui s'est... Ah je voyais pas la valeur parce que j'étais pas gérante. D'accord. Ah non je suis gérante. Après est-ce qu'on n'est pas loin de tout là? Attends, j'attends ce que Marie elle me dit là. Marie dit, oh, putain, je vais passer une soirée de merde. Ouais. Tu peux, oui, il est pas cher et tu as de l'eau avec. Ah ouais. Mais n'oublie pas, faut acheter des champs aussi. Ben, il y a le champ 17 qu'on pourra acheter qui est juste à côté. C'est bien ça. Ah, j'achète ça là. Si vous souhaitez acheter ce terrain pour 210 000. Oui. Voilà. Ça y est, c'est notre terrain. Ça nous a. Waouh. Ok. Donc là. Voilà ça. Ma chérie, ça va être chez nous. Oh, merci beaucoup, c'est magnifique. C'est notre maison. Merci beaucoup pour ton host, mon petit Vaxa. Bienvenue, viewers. Bienvenue à tous. Et coucou Lucas, t'es pas couché toi? Hein, Lucas, il a fait en mode dormir quand je suis arrivé, il a ouvert sa porte. Alors, attends. Ça va mon Lucas, bonne année. Donc ça sera nous. Ok. Voilà, bah c'est trop bien. Hein. Marie, faire quoi maintenant? Je pense qu'il faut Très acheter un gentil, terrain, Milan. c'est ça? Des gros bisous. Parce que là, c'est à nous, mais il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Attends, tu peux faire ce que tu veux de ton terrain, c'est à toi. Ah ouais, c'est bien. Peut-être qu'on puisse poser la ferme? Comment on fait pour poser la ferme? Il te reste combien d'argent, toi? 1 150 000? 1 039 817. Ah ouais, donc c'est de l'argent commun. Ah merde. Ouais. Maintenant, tu peux acheter des bâtiments, etc. Appuie sur P. P. Ah oui, des Ah vues. oui, P comme bâtiment. Ouais, c'est ça. Alors. Véhicule. Déjà, on ne sait pas ce qu'on cultive, en fait. Là, on est sur un champ. Pommes de terre. On est sur les champs de truffes. Ah bon? Ah, je peux acheter la ferme.
Objet à placer, ferme. Oh là! Corde de ferme, 180 000. Ah ouais. Ah mais faut l'acheter ça. Ouais, c'est Farming Simulator 2019, Lucas. Tu connais, toi? Détail. Salut, Super Kikou. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je peux la placer là. Mais c'est compliqué. Je peux la placer, je peux la placer. Je la mettrai bien là, là. C'est bien ici. C'est bien ici, Marie? Comme ça, le champ devant, il reste bien pour les patates. Lucas, il dit oui. Je vais attendre que Marie confirme. Et c'est sur un terrain plat. Bah là, je suis sur du plat, là, non? Je sais même pas comment on fait pour tourner la caméra. Ah bah c'est marqué là. Pivoter. Ah d'accord. Modifier la hauteur. Le champ de patates, il va Contrôle. dégager. Ah bon? Ah je le mets sur le champ de patates alors. Je le mets là. Pourquoi c'est jaune? Ah, les nuls. Ah je te vois Cathy, t'es toute petite. Dois être loin dans le ciel, non? T'es où? Là, pour l'instant, je suis au-dessus de toi. Je peux le mettre là, hein? Non, pas sur le champ. Oh putain. Bouge pas, Cathy, là, hein, ça me perturbe. Ah bon? Allez, D'accord. pivoter la caméra, allez. Banane, super Kikou. Je peux mettre là, ici, là? C'est bien ici. Il dit oui. Regardez là. Oh, c'est beau là. Regardez. Ouh, non. Marie! Évite trop près du champ à cause du terrain. Putain! Ah mais c'est pas chez nous ici, c'est gris. Toi après c'est plus chez nous. Là je suis au maximum en hauteur. Le maximum c'est là. Évite trop près du champ à cause du terrain. Là, c'est bon en bas comme tu l'avais mise. En bas, mais pourquoi? Ah bon, ok. Là, je vais en bas. Moi, je vais y arriver. Attends, mais c'est quel côté en fait? Elle va être à l'envers, la truc, ou quoi, là? Merde. Marie, elle est à l'endroit ou à l'envers, là, comme ça? Je vais attendre ce que Marielle dit avant de valider. Le terrain peut se surélever quand tu placeras ta ferme. Ah bon? Modifier la hauteur du positionnement, c'est ça? Contrôle. Gauche. Et A. Là, il s'enfonce dans le sol. Oh merde! Et là, hop, il est levé du sol. Je sais pas, j'ai une ferme, mais elle est modée. Ah bon? Tu la poses ta putain de ferme? Mais je suis pas si à l'endroit ou à l'envers. Oui, il y a peut-être deux entrées, en fait, on s'en fout. Bah, on s'en fout, je pense. Bon, alors voilà, admettons comme ça. Zoom Rudy et tu verras, dit Dylan.
Je zoome. Bon, je sais pas trop en fait. Bon, admettons là, hein, comme ça. Comment je fais après pour la poser? Alors, hein, acheter, entrée. Oh! Elle est belle! Voilà, c'est notre maison. Ouais! T'es où toi? Je suis là. Coucou, regarde! Oh. On peut rentrer dedans? Pourquoi je peux pas rentrer chez moi? Ah là-bas. Il a vite construit la ferme. Ouais, bah il est fort, hein? Ouais, regarde la cuisine. Vas-y, rentre. Nunuche. J'arrive pas à rentrer. Rentre, Nunuche, là. Je passe pas la porte. Ah, ça y est. Trop Putain. grosse ou quoi, là? Regarde la cuisine. Yeah! C'est beau, hein? Pas ouvrir les portes. Animaux, cochons, vaches, moutons, poules, chevaux. Ah bah je l'ai mis à l'endroit, heureusement, parce que la porte était fermée. Ouais. On a eu chaud, hein, les gens. Dylan, j'ai pas le bouquin FS pour les nuls, MDR. Tu peux rien faire de plus dans la maison à part dormir. Ah ouais? Parce que nous on va faire du RP ici, hein. Bah oui. Quoi nuit? Maintenant, faut acheter le matériel. Moi aussi, je veux Putain! acheter des trucs. Et on n'y arrivera jamais, Cathy? Qu'est-ce qu'on disait quand on a commencé Arma? Ah ouais, c'est vrai. Faut acheter un camion de culture des pommes de terre ou quoi? Ah ouais, culture des pommes de terre. Regardez les fesses de Cathy. Wow. Attention, Ah. écoute. 496 000. Ah non, C'est attends, énorme, hein? on a pas de sous là. On peut pas les ramasser à la main? Max Harris, allez, c'était juste une visite éclair et Max Azoulay me dit de vous souhaiter une bonne nuit, une bonne année à tous. Eh ben, bonne année, Max Harris, bonne année, Maxou! Bonne année. Des gros bisous! Surtout pas pommes de terre pour commencer, c'est trop cher, tu vas dégager les patates de toute façon. Ah. Putain, bon bah voilà. J'espère que ça vous a plu cette session. Démarrer le mode paysage. C'est quoi ça? Toi, il y a l'appel là. Bonjour, Kate. On peut peindre. Ah ouais, Le c'est mode bien ça. paysage, laisse tomber. Pour ouvrir. Elle a dit laisse tomber, C'est Max. mignon comme tout. Regarde, il y a peinture et tout. Changer l'intensité, changer le rayon, changer le mode, soulever. Ça a l'air d'être vachement bien. Hein. Oh, j'ai retiré des buissons. Oh, j'ai fait un Putain. trou. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Attends, attends. Je ressoulève. Putain, je me crois dans Populous, les jeux des années Bobby, c'est 90. pour faire de la modification de terrain, mais ne touche pas, t'es trop nul pour l'instant. Non, non, je suis bon, regardez, regardez, regardez les gens. C'est Populous, je me rappelle, j'avais ça quand j'étais Mais jeune. sors de ça, Rudy! J'étais. Attends, c'était pas. Rudy va casser la map! C'était dans Populous. J'adorais ça. Je peux lisser le terrain, regardez. Voilà, hop, je Tu lisse le claques des terrain. sous pour rien. Ah, attention les sous, hein! Ça bouge pas les sous. Regarde, ça fait rien. Faut arrêter là aussi de dire que j'ai fait quelque chose, hein. Bon, j'échappe. Je vais voir ce que j'ai fait. Regardez, c'est moi qui ai fait ça. J'ai retiré toute l'herbe qui était là. Ah ouais? Eh ben, on peut mettre un enclos pour les animaux, là. Ah bah ouais, grâce à moi.
Voilà. Alors, on est désolé les gens si ça vous paraît long. C'est Marie qui est très lente. Hein. Nous, on n'y peut rien. Putain, la pauvre. Vas-y, moi, je fais un enclos. Un enclos? Mais attends, on n'a pas d'animaux. Bah, justement, après, tu mets des animaux. 5 euros par jour. Pour une niche. Oh, déjà, on peut mettre un chien, peut-être. Il y a, on peut mettre un poulailler, 20 000. Un grand poulailler, 4 000. Des poules, Lucas, il dit. Des poules, donc direct un grand. Attends, Marie, elle dit appuie sur P pour le matos. Ça va être des vaches. Bah, tu vas écouter Marie, ouais. Bah oui. Elle dit qu'il faut acheter du matos avant les animaux, là. Ah bon. Alors, P pour le matos. Ok. Alors, c'est quoi Amazon. Pourquoi je peux avoir la marque Amazon? Ça sert à quoi? J'en veux plus. J'imagine Marie qui est en train de transpirer à mort, tu sais. Ouais. Marie, faut prendre quoi, Amazon? On s'en fout, ça, c'est les marques. Ah. Bon, d'accord. Bon, tracteur. T'es dans les tracteurs, Cathy? Ouais. On va attendre. Tracteur. Voilà. Elle suit du cul à cause de vous. Avant de penser aux animaux, travaillez les champs, etc. Car c'est grâce à ça que vous pourrez les acheter, les enclos ouais. À animaux. Tracteur, tapez pas dans le trop cher. Donc faut prendre des petits tracteurs. Vas-y, regarde les tracteurs qu'il y a, toi. Alors, il y a un petit tracteur à 59 000. Un petit à 65 000. Attends, mais je vois pas les prix. Pourquoi je vois pas les prix, moi? Tu vois ça où? Tu peux cliquer dessus? Ah non. Voilà. Donc, petit tracteur à combien? 59 000. Ouais. Ah, Lucas dit le 1. Ok. Camion. Attends, bah, on va attendre aussi confirmation quand même. Hein. Oh merde, échappe. 98 000, ah ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bisous ma petite caféine, fais de beaux rêves, gros bisous. J'ai fait une grille ou pas là? Je me suis pas rendu compte. Tracteur petit voire moyen, regardez la puissance chevaux et un conseil chargeuse avant obligatoire. Faire quoi? Chargeuse avant obligatoire. Chargeuse avant. Chargeuse compacte. Mais chargeuse avant. En bas à droite des tracteurs. En bas à droite. Ah là, t'as un petit tracteur et en bas à droite, t'as chargeuse. Tu fais exprès ou quoi? Ah oui, d'accord. Donc il y a une chargeuse avant ou compact? Avant. 60 000, ça coûte pas cher ça. Merde, ça s'appelle Kramer, ça va nous énerver ça. Elle parle de tracteur, Marie, elle parle pas des chargeuses pour l'instant. Hein? Donc écoute, on va dans tracteur moyen. Et où est-ce qu'on voit qu'il y a chargeuse avant? Loué Terra Track 25 296. Donc ça c'est petit tracteur. Ah bah non. Moi j'en peux plus. Hein. 40 km/h. 50 km/h. Ah ouais. Choisis un tracteur et tu as des options que tu peux choisir avant l'achat. Ah d'accord. Ah, d'accord. Donc là, attends, si on prend celui-là, il va combien là? 25 km heure, c'est de la merde ça, non? 40 km heure, d'accord. 50. Toi, t'as une petite préférence pour le troisième, je parie. Mmh... Ah, mais regarder les cheveux aussi. Les cheveux, j'ai pas de cheveux. Le premier, il est puissant, hein. 110 kW, 150 chevaux. Bah non, il est pas puissant. Il est plus puissant que les autres. Il va 40 km/h. Oui, oui. Non, 25 en plus.
Mais 150 chevaux, alors que les autres, c'est 100, Ah, mais 115. bon, pas vite. Mais c'est quoi la différence en fait entre tu vois ce que je veux dire? Eh ouais. Parce que Ah quand oui, tu prends d'accord. Une chargeuse avant peut être attelée à ce tracteur, je vois. Bon, on ouais. dit. Merci, Non, Kate. je suis dans les trucs moyens là. Donc petit tracteur, ok, j'y retourne. On clique sur un tracteur. Donc, par exemple, le troisième. Ah, le deuxième aussi. Donc entre le deuxième et le troisième, la différence, c'est le nombre de litres d'essence, la puissance kilowatt, nombre de chevaux, et surtout la vitesse. Enfin, le troisième, il est bien le troisième, hein. Ouais, il me paraît pas mal aussi. Je regarde le quatrième au cas où. Pneu Ouais, bah, étroit, pneu. Oh là, mon Dieu. le premier, non, Lucas, parce qu'on peut pas mettre de gnagnin avant. Alors que le troisième, on peut mettre le gnagnin. Chargeuse. Bon, t'achètes le troisième, qu'a dit. Moi j'achète, Bah, vas-y, mais achète. alors je mets quelle marque de pneu? On s'en tape. T'as quoi comme marque de pneu? J'ai Nokian, 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 Trellborg. Il y aura des Bah, j'ai que les différences. deux. Il y en a un, les pneus sont plus lisses. Configuration des roues, pneus larges, pneus étroits. Ah, je dirais Trelleborg, ça va être mieux pour aller sur la Terre. Regarde, pop, pop, Ouais. pop, ah ouais. Ah, pneus jumelés arrière. Roues jumelées partout. C'est pas beau, roues jumelées partout. Attends, attends. J'essaie d'imaginer hein, parce que toc, 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 Moi, on je est vais te dire, ma coincé. préférence, c'est pneus larges. Point barre. Le mieux, c'est Lucas dit masse. non, Lucas dit non. Masse d'équilibrage, on voit pas. Masse d'équilibrage. Pneus larges, oui. Ah, j'avais raison. Ensuite, le moteur. Ah, il y a Cathy, Cathy, y a Marie qui dit non et Lucas qui dit oui. Je sais plus moi. Alors, on va faire roue. Oh, t'as pris large, c'est ça? Ouais, pneu large. Et après, configuration du moteur, attention. Alors, un 511 C. surcoût de 17 500 si on prend le favori 515C nous permet de passer à 150 chevaux. Ah ouais. Ah, c'est vachement bien ça. Hein. On prend ça? Attends, je réfléchis. Ouais, faut quelque chose de puissant quand même. Hein. Vas-y, allez. Ok, plus 17 500 et Voilà. bien sûr chargeuse avant, oui. Voilà. Donc bah c'est parti. Tu l'achètes? Allez. Acheter ou louer? Ah. Acheter ou louer? Bah, je pense qu'il faut l'acheter celui-là. Ouais. Le mieux, c'est Allez, 300 chevaux pour achète. commencer, mais pas le même prix. Attends, attends, attends. Comment? T'as vu ça où? C'est Marie qui a marqué ça sur son stream. Ah, pardon. Ouais, c'est pas le même prix. Après, faut passer dans les tracteurs plus gros, quoi. Bon, vas-y, achète. Acheter, oui. Vous pouvez récupérer votre achat dans le magasin. Hein? Hein? On va Il est où le pas. magasin? Tu l'as acheté? Il est où notre Il est dans le tracteur? magasin? Toi, avoir mis au tracteur de moi? Oh, un magasin. Tab. Oh! Tab. Mince, je voulais pas. J'ai fait tab, j'aurais dû te laisser faire, ça me fait chier. Ah. Bah, tu peux pas, si tu fais tab, toi, ça fait rien? Non. Merde.
essayer de le ramener. Je sais même pas trop où on est là. Ah, t'es allé le chercher à Perpète? Bah ouais. Ah, t'es en 19 à Perpète. Ah non, pas du tout. Nous, c'est combien notre terrain? 19. Je vois que le 20, je vois pas le 19. Oh là là. Le 20, il est... Je le vois pas sur la map. Attends. Ah, il en faut deux des tracteurs. Il en faut deux de tracteurs. Alors rachète le même. Rachète le même et je t'attends, ce sera plus simple. J'achète le même, hein. Allez. Donc. On n'est pas sorti d'auberge. Oh non. Tab. Il se passe rien. Pourquoi quand je fais tab il se passe rien? Il te dit qu'il est au garage. Ouais. Ah ça y est. T'as vu je suis là gars. T'es où? Regarde sur la map, je bouge. Ah oui là, d'accord. Tu vois? Ah je reviens. Donc bah faut qu'on aille en 19. Ah attends, déjà aller en 19, ok. Putain, j'espère que j'ai pas oublié de mettre une chargeuse. Oh non. Ça va? Non, c'est bon. Ouais. Alors attends, 19 c'est où là? C'est droit devant nous. On peut mettre un GPS? Non. Marie, on peut mettre un GPS? On peut mettre un GPS, super. Tu peux que modifier ton tracteur quand tu veux de toute façon. Ah bon? Quand tu me suis? Allez. Faut rentrer, je suppose, à la ferme. Oh, j'ai carrément fait demi-tour là. La route elle va pas vraiment. Oh, c'est de la merde, hein. Bah, attends. Bah, on verra bien. Ah oui, achetez des machines dont vous avez besoin, sinon vous allez retourner au magasin. Ah, mais de toute façon, faudra toujours les ramener. Oh là là. Après, c'est très joli, hein. Ouais, c'est vraiment très beau, ouais. Oui, il y a un truc qui brille, là. Il y a un billet, là. Pour la gauche. Ah ouais. On peut pas descendre du tracteur? Je sais pas. Putain, comment t'as fait? J'ai pas réussi. À quoi? À klaxonner. Zéro. Ah bah ça y est. Et comment on fait pour descendre? C'est. Mais. Ah bah ça change la vue, c'est. Ah oui. Ça change la vue, ouais. Je suis descendu. Il y a des billets là. Ah, c'est le distributeur.
Salut Nassima, bonne année Nassima. Salut Marsutox. Bonne année. Bonjour les gens. Eh ben. Bon ben voilà quoi. Est-ce que je peux te voler ton tracteur? Putain! Pousse ça de là, c'est le mien. Bon bah, on doit faire quoi là? Bah, d'après Quête, il faudrait rester au magasin pour acheter d'autres choses, une fois qu'on y est. D'après qui? D'après Quête 7170 sur mon stream. Y? Rien Y. Faut acheter le reste du matériel. Ouais. Bah pourquoi on est parti là? Bah ouais. Dylan, tu sais jouer, mais je trouve que tu nous aides pas beaucoup, hein. Voilà. Enculé. Voilà. Y en a pas mal à acheter. Ah. Putain. Je prends un raccourci. On peut pas. Merde. Je casse, je défonce ça pour voir si ça marche. Et on peut pas baisser le son du tracteur. Oh merde, regarde. On est où? Déjà, on peut faire des tours en tracteur. J'ai du mal à suivre la carte et conduire en même temps. Tu peux échapper, Cathy, dans les options, tu peux baisser le son. D'accord. C'est où, putain de magasin? Pardon? C'est tout droit, ouais. On n'avait pas tourné. On a fait le tour là. Ah ouais, c'est par là, je me rappelle. Ah, c'est là. Ouais. Tour de tracteur, wouhou! Et voilà. Nickel. Bon. Allez, j'ai fait le redit, des bisous. La fatigue gagne. Bah, tu parles. À quelle heure tu t'es couché hier? 10 heures de stream, 12 heures de stream d'affilée, je sais plus. Truc de ouf. Faux folle. Voilà. Elle a fait, je pense, 12 heures de stream hier. Je suis pas sûr. Ça mériterait une C'est beaucoup, vérification. hein. Beaucoup, beaucoup, hein. Ce qu'on fait dans la semaine, elle l'a fait en une nuit. Mmh. Ah, attends. Option. Ah ouais, tu peux baisser le volume du véhicule. Ah. Ouais, j'ai vu Dylan. Ça marche. Ah, elle m'héberge, caféine, merci beaucoup. 11h27, Rudy. Aïe, Hier, aïe, aïe, 5h ce aïe, soir. aïe. Tu te rends compte un peu? Purée. Au folle. Ouais. 11h25 hier, ouais. Eh ben. 5h13 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pardon? Bah, y a Marie qui nous aide. Il y a mon fils qui est descendu à 3h15 du matin pour aider. Elle est mignonne. Bah, vas-y, fais ta pub, vas-y, hein. Bonjour à tous, je vais expliquer comment on joue à Farm Simulator. Parce que c'est la première fois qu'il joue, c'est ça? La première fois que je joue là. Elle est mignonne, Le ce chat a Lucas. acheté des tracteurs. Et si ta mère elle descend, qui c'est qui s'est engueulé? Non, c'est pas grave, j'ai dit j'ai jamais goûté. Ouais.
Sacha, il faut que tu commences. Vas-y, dis-lui qu'on t'aime. Qu'on l'aime. Non. Et c'est quoi ton chant? Mon chant, c'est un chant de patates. Mais Marie a dit que les patates en avaient dégagé. Vous pouvez les enlever? Ouais, vas-y, dégager les patates. Du coup, tu vas acheter une machine. Une machine à retourner la terre. J'ai acheté le tracteur qui retourne la terre avec les roues. Je sais pas, c'est Lucas qui me dit qu'il faut faire des trucs. Ensuite, si... ouais, mais moi ça m'aide pas. Ensuite, je me souviens bien. C'est peu. Attends. Aria, Marie qui marque qu'il faut une benne. Oui, il faut une benne. Mais tu commences à faire clic sur la benne. C'est une remorque ça. Oui, c'est une remorque. Tu achètes celui-là. Et l'avantage de celui-là, tu cliques dessus. Faut acheter lequel? Tu laisses tranquille parce que là il y a mon fils qui m'explique. Hein. Mais justement, tu cliques dessus. Ah ouais, on ouais. Explique à tous les deux. Ah, attends, parce qu'il y a Cathy qui râle. Donc on va sur remorque et après on va sur. Le premier. Sur le premier. D'accord. Et est-ce qu'il faut en acheter deux parce qu'on a deux tracteurs? Non, il faut acheter qu'un. Faut en acheter qu'un? Oui, outil, puis il faut acheter un outil à chaque fois. À part où c'est acheter deux champs. Ah, mais est-ce que là on a deux tracteurs aussi? Bah, en fait, tu cliques sur la remorque. Ouais. Tu achètes un remorque. Ouais. Bien sûr. Après, tu cliques là. Capacité. Et là, ça monte. Wow, c'est grand! Tu peux avoir tous les différents. Du coup. Marie! Moi, je vous conseille prendre à deux. On clique à deux étages parce que c'est grand et au moins tu peux mettre quelque chose de temps. D'accord. Donc t'as entendu Cathy? Non, ça passait pas. Il a dit qu'il faut prendre la remorque, la première. Mais juste une ou une chacun? Et ouais, une ou deux, Marie. Peut-être deux. Et après, capacité 8000, il a dit, Lucas. Et ça va t'en faut du G, qui ça va très bien. D'accord. Du coup, vous dépensez une bâche ou pas de bâche? Il dit ah, ça suffit. Donc elle dit comme ah, d'accord. Comme Luca. Il va mieux, qui va vous déjà, c'était bien. Après vous achetez ou soit vous le louez. Il a dit Marie, elle a dit un semoir. 110, le louement, mais il faut que tu loues tous les jours. Bien sûr. Ouais. Ou soit tu payes, mais tu n'achètes pas tous les jours. Je vais l'acheter là. Ah, donc j'achète celui à 8000, Marie, c'est ça? Qui ferait mon pratique en renfort. C'est bon comme ça, oui. Allez hop, j'achète. Acheter pour 10 000, oui. Vous pouvez récupérer votre achat dans le magasin, ok. Ensuite, tu reviens. Tu reviens aussi. Donc là, on va dire que c'est Cathy qui va acheter le deuxième truc. Le deuxième truc, Cathy, tu as acheté ça. Celui-là. C'est une image. Il faut un semoir. Oui, un semoir pour mettre les graines, mais il achète ça à ta porte. C'est pour retourner le terrain. Alors, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est qu'un semoir. Non, mais Lucas, il parle de quoi? Pour labourer? Ah non, mais on verra après. Déjà le semoir, vas-y. Ah, Cathy. Semoir. Ok, je suis dans le semoir. Vas-y, tu cliques. Voilà, on est dessus. Il y a différents prix. Je vous conseille pour le premier. Parce que. Après. Vas-y, parle là-dedans parce qu'elle n'entend pas. Hein. Cathy, je te conseille d'acheter le premier. Parce que. D'accord. Votre argent est limité. Notre argent est limité, là, Cathy. C'est tout, vous en faites acheter une moissonneuse. C'est vraiment illimité. Je vous conseille d'acheter le premier. Pour moi. Voilà. Et, d'accord, et, le premier et, de base, il n'y a rien à faire. Marie, dis donc pas le premier, le deuxième. Or. Le problème, si vous en faites acheter une moissonneuse, vous voyez. Vous ne pas acheter une deuxième. Appa, il achète une moissonneuse en premier. Ah ouais, ouais. Et on peut voir les derniers prix qui resteront à la fin. D'accord, on peut prendre le deuxième un petit peu, là.
Ouais, je prends le deuxième. Vous avez fait quoi comme champ? Du blé, du On cochon? va faire un champ pour avoir, et on voudrait mettre une poule et un cochon dessus du. Enfin, on va acheter un cochon et sur le dos du cochon, on voudrait mettre une poule après. Ça. Ah, ce serait bien, mais c'est pas encore possible Bon. encore. Marie a dit le premier semoir, il est nul, faut prendre le Ouais, je suis deuxième. le deuxième, il est bien, mais Voilà. qui coûte super cher en soi. Ouais, il n'y a pas d'option. Non, il n'y a pas option, c'est que celle. Donc J'ai tout j'achète? comme ça. Vas-y, achète. Allez, j'achète. Donc après, Marie, elle a dit il faut un truc pour labourer. Labour, c'est ici. Un cultivateur, c'est ça? Oui, un cultivateur, parce que c'est aussi pour faire le terrain. Tu peux cliquer. T'es dedans, Cathy? Ouais, cultivateur. Par contre, il y a différents choix. Ah ouais. Il y a celui-là, le tout simple. Ouais. Après, il y a le deuxième, qui paraît avec le premier. Ah ouais. Il y a lui qui Ah bah Marie divise a dit le plus cultivateur, on grand. s'en fout. Après, il y a celui-là. Et Ouais. après, il y en a encore un arrière, mais ça va coûter trop cher à vos dépenses. Ah, cultivateur, on s'en fout, t'en as pas besoin au début. Mais c'est toi qui as marqué ça, t'as marqué un truc pour labourer. Ouais, mais en fait, elle voulait Oui, dire c'est charrue. important labourer. Parce que comment tu peux labourer? Est-ce Avec une qu'il faut des charrue? bœufs? Est-ce qu'il faut Avec une mettre les bœufs avant la charrue? charrue? Des bœufs? Est-ce qu'il doit mettre les bœufs avant la charrue? Pas de charrue. C'est où la charrue? Ah ouais, charrue, d'accord. Donc là, c'est quoi là ici? Non, ça c'est pour retourner la terre, c'est pour refaire votre terrain. Ah ouais, bah on doit faire notre terrain, nous. Voilà. Bah, il y a déjà un tout simple. Après, il y a un autre qui coûte pas très cher, qui coûte 1000. Ouais. Après, ça coûte super cher par la suite. Bon, ça coûte super cher par la suite. Je vous conseille soit c'est le premier, ou soit c'est le deuxième ou le premier. Parce que ça coûte super cher. Oh, ça fait peu. Donc, il achète celui-là, Rudy, de toute façon. Vous devez enlever les pommes de terre, la seule façon c'est de labourer. D'accord. Je n'entends plus les garçons là. Attends, parce qu'il y a, je crois qu'il y a ma fille qui a été racontée à ma mère, à sa mère. Attends, attends, je reviens. Ouais. Lali, lali. Après la charrue, comme vous voulez, j'utilise une charrue modée, moi. De toute façon, on va rester dans des prix bas, hein. J'espère que ce n'est pas une horrible histoire, que petit Lucas soit venu aider. Bisous, caféine. Bizarre de vous voir sur farming, bah surtout qu'on est vraiment nul, 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 complètement nul. Plus nul que nous, tu meurs. Cathy, moi je suis un gars de la ville et quand je suis arrivée pour la toute première fois sur farming, j'étais perdue. Bah ouais, mais même quand t'es pas forcément de la ville, hein, t'arrives, c'est vrai que tu connais pas. Farming, c'est pas simple au début, quand tu connais pas, il y a des choses à savoir et tout, mais après ça ira mieux. Mais oui, moi je me fais pas de soucis. Lucas, merci beaucoup pour toutes tes explications. Heureux. C'est un peu orageux chez moi. Hein. Bon, Aïe, alors, aïe, du coup, c'est lequel qu'il faut là? aïe. Le premier ou le deuxième. Dans charrue. Peu d'importance. Après, ça fait cher, quoi. Il monte directement à 59 000. Mais vous mettez le deuxième. Ouais. Tu l'achètes? Moi, je l'achète? Vas-y. D'accord. Versoir universel ou versoir à lame? Attends, je regarde. 2000. Bah, versoir à lame, hein. À l'âme, hein, bah oui. Hein. Oui. Allez, achetez. C'est bizarre de vous voir Tadam. sur farming. Bah ouais, je sais, je sais. C'est bizarre pour nous aussi, hein. Oh oui. Bon, après, il faut quoi d'après d'autre? Qu'est-ce qu'avait marqué Marie? Un semoir, un truc pour labourer. De l'engrais. De l'engrais.
Si vous l'engrais. Si vous l'engrais. Ah, c'est peut-être dans le quatrième onglet. Les grands sacs. Ouais. T'as des sacs de blé, sacs de machin. Nourriture de... pour cochon, sac d'avoine, sac de semences. Il y a un grand sac d'engrais solide. C'est ça qu'il faut? C'est ça, Marie? Protection des cultures, c'est où ça, protection des cultures? Protection des cultures. Yeah, sérieux. Vas-y Cathy, je compte sur toi là. Parce que moi, c'est orageux chez moi. Aïe, aïe, aïe. C'est où protection des cultures? J'ai vu, protection des cultures. C'est où? C'est deuxième ligne, donc toujours dans les outils. Mmh. Deuxième ligne, avant-avant-dernière onglet. Il y a protection des cultures. Je veux tracteur faucheuse. Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Bah, quand tu regardes dans les outils où tu as remorque, barre de machin et tout, tu as la deuxième ligne, tu as remorque à grain, barre de coupe, culture de canne à sucre, cultivateur, décompacteur et protection des cultures. Ah oui! Mais t'as vu que t'as encore des trucs à droite? T'as une flèche à Ouais, droite, j'ai hein. vu, ouais. Ah ouais. En protection des cultures. Ouais. C'est trop très compliqué, hein. Épandeur à engrais. C'est plus simple. Ah, donc c'est pas protection des cultures, c'est épandeur à engrais. C'est où ça? Pourquoi nous avons si? D'accord, c'est celui qui est juste en dessous. Ah oui. Et après? Il y en a qui on peut pas mettre d'échelle, il y en a un qui a une échelle. Elle avance pas vite la rentabilité de cette ferme, bah non. Hein. On est des gens de. Bon, Regarde, on est regarde sur dans de la les ville, films. nous. Hein, prends le premier pour l'engrais. Ok, tu prends? Ouais, je le prends. Acheter. Et alors? Là, tu commences pas à bailler parce qu'on n'est pas même pas au début du commencement, là. Voilà, c'est fait. Ensuite. Bah, j'espère que c'est fait. Bouge J'ai pas, acheté ou pas Rudy. là les gens? Merde, est-ce que je l'ai acheté? Ah. Bah, je pense que oui. Hein. Prends la machine à côté. Pardon? La machine à côté, le semoir ou la sarcieuse? Mais c'est quoi tout ça? Pour la chaux. Et si t'es pas fermé, tu fais comment? Et c'est quoi? Si tu connais pas tout ça, tu fais comment? Pour la chaux, il y a des chômeurs à disque, c'est ça? Mais je vois même pas le truc à chaud alors. Aïe! Non, dans épandeur encore. Ah. Ah, faut prendre le deuxième. Le deuxième, alors pourquoi on a acheté le premier? Vas-y, je te laisse l'acheter le deuxième. C'est le deuxième qu'il faut que je prenne? Je te laisse confirmer, je reviens. Ok. Ah, le deuxième sert pour la chaux, d'accord. On prend une extension ou pas? Et Lucas, il va se faire marrer, maraf par le forme. Ouais, putain, pauvre Lucas.
Ah, le daron. Prends le simple, c'est un petit champ. D'accord. Système d'épandage, disque ou unité 6 mètres. Bon, normal, quoi. Allez, j'achète en normal. Ok. Normal, normal. Que tu peux pas avoir qu'un seul appareil chaud et engrais. D'accord. Ok, c'est parti. Merci, ma Marie. Ok. Peux pas avoir un seul appareil chaud et engrais. Ça marche. Ensuite. Qu'est-ce qui nous manque? Donc nous, on veut faire des poules, hein, attention, hein. Après, il faut peut-être un truc pour planter, un semoir peut-être. Va dans le garage en dessous, c'est votre matériel à vous. D'accord, ça c'est tout ce qu'on a acheté. Non, on n'a pas acheté tout ça, nous. Ah si, ok. Ce matériel-là est à vous. Yeah! Bah du coup, ok, très bien. Il vous faut une moissonneuse-batteuse maintenant. D'accord. Alors, moissonneuse-batteuse. Et là, plus le même prix. Ah merde. C'est toujours dans les outils? Donc les tracteurs, ça marche. Ah bah bravo, maintenant il y a ma femme qui est jalouse sur toi, elle dit t'as qu'à te la troncher cette grosse poufiasse de Cathy. Tu te rends compte toi Non. un C'est pas possible. peu? Non, c'est pas vrai. Putain. Oh, ça aurait été terrible. Non, en fait, je vais vous dire tout les gens, tout ce qui se passe, c'est horrible. Lucas était venu à côté de moi pour m'aider, ça vous l'avez compris. Et Lilou, mon autre fille, était descendue. Et elle a réveillé sa mère, mais pas pour dénoncer son frère. Elle a réveillé sa mère pour dire que sa belle-mère avait pris des cachetons et que du coup son copain était en PLS, le copain de ma fille, et que elle allait être emmenée, à l'hôpital. Et donc là, ma femme s'est habillée pour conduire ma fille chez mon beau-fils. D'accord. Mais Lucas n'a vraiment pas eu de chance parce que c'est tombé le jour-là, donc il s'est fait capter. Ah Donc putain. un tas de trucs qui s'est passé là. Mais tu vois bien. Et elle m'a dit, va t'a troncher cette poufiasse de Cathy. Non, enfin non, ça Non, c'est ça pas c'est vrai. pas vrai. Putain. Et Et du donc coup là là, elle est maintenant, partie elle avec est partie, vous. il n'y a plus que Lucas, que je peux peut-être rappeler parce que ma femme est plus là, mais c'est risqué quand même, hein. C'est risqué. Et il reste ma petite fille qui est là aussi. Ida, non, qui est levée? Bah non, il est levé puisqu'il nous regarde en stream. Non, non, ta petite fille, elle est levée? Non, elle est couchée, elle dort. Donc t'as continué à acheter des trucs là? Ouais, maintenant on va acheter la moissonneuse-batteuse dans Parce que je les vois que là, tracteurs. l'argent, ça fond, hein. Ouais. MDR, ça m'étonnerait qu'elle dise ça un jour, dis-moi nous, si elle le dit, je serais jaloux, hein. Alors, moissonneuse-batteuse. Ah ouais, c'est pas le même prix. 84 000, 100 000. Faut que je regarde tes fesses là, Putain, moi j'achète et toi tu ce... m'achètes. Alors la moissonneuse-batteuse, faut laquelle? La première, elle suffit ou? Pauvre Lucas.
Le code a pas eu de chance. Et il s'est fait tuer ? Non. Bah, quand même. Mais tu l'as défendu ? Bah, je pouvais pas trop dire. Hein. J'ai dit, je comprenais pas qu'il était là, moi. Putain ! Pauvre Lucas. Tu peux être en mode vieillerie ? Ah, donc tu veux pas la première. Et comment on sait qu'on... Ils sont où les affaires qu'on a achetées? Parce que je les vois pas, moi. Ah, si, ils sont là. Oh. Et comment on fait pour transporter tout ça, les gens? Bon. Je retourne dans mon truc, on verra ça après. Donc, moissonneuse, batteuse. Non, mais arrêtez, là, vous nous faites acheter plein de trucs, mais on fait comment pour transporter tout ça? La troisième suffit largement au début, alors je prends la troisième. Y'a rien à faire. Allez, j'achète. Tiens, ça aussi. Elle va nous dire, t'inquiète pas. Avec le tracteur, on va faire les petits trains. Avec le tracteur, on va pouvoir tout prendre d'un coup. Après Cathy, oui ma Marie. Je suis complètement scotchée à tes doigts. Il faut la lame qu'il faut avec. Ah merde. Donc ça c'est dans outils. Paris. Mais ce stream va rimer à quoi au bout du compte? Ouais. Ah, c'est à quoi il rime le stream? À jouer tous ensemble. Alors il faut la lame qui va avec. Bonne nuit Nassima. Bonne nuit Nassima. RP paysan, ouais carrément, mais moi je suis complètement paumé là. Au début Cathy. Vous n'avez pas l'accent, moi Cathy elle peut faire l'accent paysan. Ouais, Dieu va les faire les champs, va les t'as démonter vu les trèfles un peu. Parce qu'elle vient un petit peu de là-bas. Eh ouais. Allez, démonter les trèfles. Allez, champs de trèfles. Barre de coupe. Alors, c'est où les barres de coupe? Ah, Dieu, c'est où les barres de coupe? Outils et barre de coupe quelque part. Ah, Rudy a démissionné, hein. Bah, c'est parce que comme je me suis absenté à un moment donné, ah oui, je sais bien, je suis un petit peu perdu maintenant. Donc je te fais confiance, je vois toutes les machines qui s'accumulent. Je me dis comment faire pour transporter tout ça parce que j'entends un chien aussi. Il est où le kleps là? Alors barre de coupe, fameuse banane, smuff. J'entends un train, si je me mets sur le truc là, je vais mourir. Oh putain! Peut-être que je pourrais mourir. Je m'ennuie de chargeuse qu'on passe. Chargeuse, balle, fameuse, cap, nanana, semoir, épandeur, sérionneur, mof. Faucheuse, orageuse, infinie, mioche. Bah, je sais pas où elles sont les barres de coups. Tu vas descendre du véhicule rapidement. Ok, parle là-dessus. On va arrêter, petit civil. Barre de coupe. Ah non, ça c'est remorque à barre de coupe. J'ai peur de crever, Brenous. Je sais pas si je pouvais crever, mais bon. Ça serait dommage de mourir avant d'avoir commencé. Parce qu'on a encore rien fait, là. La flèche à gauche revient au début. Ah, j'étais parti vachement loin, pardon. Je pensais pas. J'étais si loin. Barre de coupe, vue. Voilà, on va encore nous dire, faut pas prendre que la première. Donc le premier, ça suffit? Barre de coupe. Ouais. Barre de coupe de maïs, on va faire du maïs. Non, ça c'est pour aller sur la moissonneuse batteuse. Ah oui. Le troisième, ok. C'est-à-dire que même si on fait du blé ou quoi, ça servira de toute façon. Ah d'accord. Allez, achetez. Voilà. Ensuite. Oh bah, bazar. Quel bazar.
J'aurais un petit clip. Ah, ça roule, Moinousse. C'est la barre de coupe pour les céréales. Et là. C'est quoi qui fait mouip, 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 mouip? Oh, tu marches comme une tarée. Parce que je suis taré, hein, qui regarde donc. On les faucher tout ça, hein. Maintenant, bon courage pour tout ramener à la ferme. Putain. Putain, ça peut se conduire, ça. Bah ouais, c'est une moissonneuse-batteuse. Alors, comment on fait pour tout ramener? Il n'y a que la moissonneuse-batteuse pour ramener la lame. Faut... mettre la lame sur la moissonneuse-batteuse. Est-ce qu'il faut prendre la moissonneuse et venir se mettre derrière la lame? Tu crois? Je sais pas, j'arrive pas là. Là, je l'ai sélectionné. Comment tu fais pour sélectionner? Oh mince. Là, t'es monté dans le truc là. Ah merde, moi aussi du coup. Comment on fait pour mettre ça dedans? Peut-être qu'il faut faire comme ça. Attention, je vais rentrer dans le magasin. Je voulais essayer de... Attention! Tu rentres dans le magasin! Ah, faut l'accrocher. J'ai réussi! Putain! Grosse pute! Ah ouais, bien! En fait, à un moment, quand t'es près du truc, tu peux lui demander d'atteler en appuyant sur A. Bon, ça c'est fait. Donc il faut. Tu vas faire pareil avec le tracteur? Putain! Ah bah tu peux les ramener comme ça, tu les pousses. Mon Dieu. Ah non! Ah non, non, non. Et comment on fait pour ramener le reste? Ouais, comment on fait pour le reste? On fait pareil? Ça veut dire qu'il faut aller chercher un nain quand même. Avec vos tracteurs, tu peux accrocher avant et arrière. Mais bien sûr, devant, tu mets pas n'importe quoi non plus. Ah bon? Ah, je peux plus rien mettre là derrière. Ah bordel! Ah ouais, c'est qu'il faut mettre à l'envers. Ah pourquoi ça s'accroche pas ça? C'est compliqué hein. Ah, je peux plus accrocher le truc là. Pourquoi ça s'accroche pas? Par contre, dit tu peux mettre le truc à engrais en plus de devant si tu veux. Le truc à engrais. C'est quoi le truc à engrais aussi? Est-ce que j'ai bien mis les barres machin? Bah oui. C'est ça le truc à engrais? C'est ça? Putain! Je suis tué sur la regarde, Cathy. Waouh, bravo. Ah ouais, j'ai pris deux trucs. Oh, putain. Moi j'étais plus doué que toi quand même hein. Ouais.
Dis, t'arrives. J'arrive pas. Ah, enfin. Est-ce qu'on peut prendre autre chose? Je trouve que le son il va encore fort de mon véhicule. Changer. Volume des véhicules. Allez, on va mettre. Pourquoi ça ne veut pas s'accrocher ça? Ah, tu peux peut-être pas accrocher, c'est la lame. Non, on m'a dit la lame, c'était qu'avec le truc. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas envie. Allez, retour maintenant. Ah, ok. Allez, on est parti. Je peux pas accrocher ça aussi? Allez, retour, sale pognier. Allez. Bon, d'accord. Attends, faut trouver la route. Parce que tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Bravo! Et comment on fera après pour... On reviendra qu'avec un seul tracteur? On peut monter à deux, non? Bah on peut pas, non, je crois pas. Je crois qu'il y en a un qui aille à pied. Putain. Je crois que je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, j'ai pas d'accident, attends. Cathy, c'est un peu la grande sœur de Crazy Patate, un vrai danger sur la route. Ça, quand tu regardes la map en même temps, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. Ta gueule, le chien. Et on va laisser ça comme ça sur la propriété. Où qu'on doit aller là? Il faut aller à droite. Bah, ah bon? Ouais. Comment tu le sais? Parce que je vois une route qui descend. Ah bah non, non, bah non. Attends, je vais mettre la carte en plus grand. Non, faut aller tout droit. Ah ouais? Nous on est en 19 là-bas tout droit. Ouais. Pourquoi tu me fais faire des. T'es nul hein, en orientation. Je voyais pas bien la carte. Tu peux avoir des hangars pour le matériel, mais on verra après. D'accord. Déjà, on s'est accroché. On s'est sorti du véhicule. On s'est acheté des choses. Ah, je vois notre ferme. Elle est belle. Mais j'espère que ça va aller pour la maman de ton beau-fils. Bah, apparemment, elle est partie à l'hosto. Là. Putain. On va mettre là derrière la maison. Ouais. Ok. Donc ici, je vais poser le truc à engrais de merde là. Ok. Alors. Comment on fait pour. Attends. Pour virer les trucs quoi. Baisser le truc. V. Voilà. Allez, baisser. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà. Donc plus c'est bon. Ensuite si tu appuies sur A, tu vas lâcher la remorque. Contrôle I c'est quoi? Oh regarde! Wow! Oh regarde! Oui, je regarde. T'es parti où là? Je vais pas mettre ça devant le truc en gras, on va être embêté pour le prendre après. Ah oui. Ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai à peine avancé. Et pourquoi tu l'as laissé là? C'est nul là. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est pas bien rangé. Hein.
Là, c'est en direction du champ. Ah, mais tu m'emmerdes, là, t'es en plein dans mon truc. Dégage. Je voulais ranger ça juste bien à côté de l'autre, toi. Voilà. Tu veux que je le bouge? Non, c'est bon. Il est très mal mis, hein. Bah, tu veux que je le bouge où? Bah, tu mets à l'endroit pour qu'on puisse les prendre facile. Là, il a l'envers ton truc, là. Pour moi, on allait comme ça face au champ, on reculait et on le prenait. Ah oui? Ouais, bah après, c'est une façon de voir les choses. Parce que là, après, on est juste prêt à aller au champ. Voilà. Bon, je vais essayer de monter avec toi. Ok. Regarde le tracteur. Il y a une partie. Attends, la partie blanche, c'est sur l'appareil où tu es. La partie blanche, c'est sur l'appareil où tu es. Il me reste pas beaucoup d'essence là, les gens aussi. Ah, si, si, je suis fou. Ah, je peux pas monter. Elle peut pas monter, comment elle fait? Monte dessus. Monte au-dessus. Voilà, reste là. Reste là. Là, je monte sur le toit. Attends, bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Ah, bah non, ça va pas aller. Ah, non, ça va pas. Non. Je vais te courir après. Comment elle fait là? Là, c'est là qu'il faudrait une voiture. Avec une voiture, on peut monter à deux. Non? Je vais te suivre, hein. Est-ce que si on fait table, on arrive directement au machin? Fais table. Prends ton tracteur. Bah non, je vais pas prendre mon tracteur, sinon on aura la maçonneuse et deux tracteurs à ramener. Fais table. Ouais. Attends, attends, t'arrives dans le tracteur. Ah bah ouais, je suis dans mon tracteur. Bah... Quoi, tu voulais... Ah, je suis dans la maçonneuse. Ah bah voilà. Ah bah c'est cool. Bah je t'attends. J'arrive. Apprends ce qu'il faut avec la moissonneuse. Hein. La moissonneuse, ouais c'est les lames. Allez ma grosse. Ok, c'est pas du bon côté. Ça dit que t'as déjà tout comme tout ce que tu pouvais prendre. Ah bon? Et ouais. Les lames? Non, les lames, c'est que je les ai déjà mis devant, je crois. C'est pas des lames, ça, c'est autre chose. Ah d'accord. Bah du coup, je t'attends alors. Ouais, j'arrive. Je vais me pousser du passage. La 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 la. C'est bien ce jeu. T'aimes bien? Bah écoute, oui. Heureusement que Marie est là. Ah, attends, je prends des soirées là. Oui. Maintenant, les gens, vous aurez ça au programme tous les jours pendant un an. Je suis là. Coucou. Tu m'écrases pas, tu m'écrases. Ah. Ça fait même pas mal. C'était pour tester. Bon, ça marche comment ce truc? C'est ça, tu m'as trouvé derrière. Yeah. Est-ce que je peux mettre ça devant? C'est pas sûr. Ok. Normalement. Dans le sens peut-être. Apparemment je peux pas. Va falloir revenir le chercher encore. Par devant, Audi. Ah ouais? J'arrive pas.
Aïe aïe aïe. Je sais pas comment faut faire. T'aurais dû lâcher la remorque. Ouais, je vais faire ça. Là, t'es sur le côté. Ah bon? Ah. Ah, c'est chaud quand même. On n'y connaît vraiment rien, hein. Ah, attendez, je reviens. Ok. Je te laisse faire, je te laisse essayer de le faire avec mon tracteur, j'arrive. D'accord. Oh putain. Ouais, ça fait un sacré poids à l'avant, hein. Yeah! Bon, on va attendre Rudy. Ouais, le poids joue aussi, c'est vrai que ça fait un sacré. C'est pas très stable tout ça, disons. Bon courage pour ramener le tout. Ouais. Je pense que je vais m'occuper du tracteur. Rudy va rager. Le pauvre. Je me demande vraiment à quoi je ressemble. Crois que j'aille voir sur le stream de Rudy. Eh ben. Donc 1h30 hein, pour acheter tout ça. Moi, je veux des poules. C'est sûr, au début, c'est pas simple quand tu connais pas. Bah non. En tous les cas, merci beaucoup, 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 ma Marie. Heureusement que t'es là. Ah, attends, Cathy, oui, qu'est-ce qu'on a oublié? Youhi, vas faire le plein de semences. Ah! Ok, comment je fais? Comment je fais? P, ok. Donc j'imagine que c'est dans les objets. Et du coup dans les grands sacs. Et là, les semences. C'est des semences de quoi? Donc je prends celui-là. Oh. Re, j'achète quelques sacs de semences. Encore? Ouais. Pour en acheter combien? On en avait un, je crois. Marie, elle m'a dit faut que tant qu'on est au magasin, on fait plein de semences.
Donc j'en achète un déjà. J'achète deux. 3-4 pour commencer, putain. Allez, 3. Ah, mais comment on fait pour ramener ça? Il va bien, Lucas? Ah oui, lui. Ensuite, approche le sommoir des sacs. Alors, le sommoir, c'est ce machin-là. Ah, ça va être une manœuvre. Tu veux le faire? Ouais, je vais le faire. Alors, fais attention. Avec tout ce qui est à l'avant et à l'arrière, c'est très instable. Ah bon? Ouais. Putain. Oh, t'as qu'à peut-être lâcher le machin devant en attendant. Tu peux aussi avec une remorque là. Non, c'est clair. Normalement, si je continue comme ça, il va devoir retourner. On va comme ça. Hein. Là, je suis pas mal. Je vais en mettre plus par là. Putain de merde. C'est-à-dire qu'il faut pas de permis pour un tracteur. Ah, ça c'est pas normal. Quand tu vois ça. Mais même pour tout ce qui, tout, tous les gens qui utilisent la route, il faudrait un permis. Hein. Bon, les voitures sans permis, je trouve que c'est. C'est dangereux quoi. Pas normal. Ah merde, je suis pas bien, regarde. Ah, si. Oh. Yeah. Comment je fais maintenant? Comment on fait? Je sais pas. Ça va une touche, remplir le semoir. Vous devez d'abord remplir l'équipement. Remplir. Ouais. Encore. Il est plein. Il est plein? Quasiment. Et il y a du rab. Merde. Bon, je peux pas en faire plus, Marie. La barque est devenue jaune. Du coup, le reste, je peux pas le mettre dans la moissonneuse. Le rap, tu peux le laisser sur place. Ça restera. D'accord. On y va alors? Bah ouais, ça va aller? J'ai pas trop le choix, non? C'est instable, hein? Très instable, ouais. Je l'ai mis de côté un peu. J'avance vraiment pas vite, moi. Ah ouais, c'est vrai. T'as tourné à droite là ou t'es allé tout droit? Ferme ta gueule. Oh merde, au secours! C'est l'horreur.
Bon, il m'a dit ferme ta gueule, donc je ne saurais pas. Putain de merde. Ah, je te vois. C'était compliqué là, waouh. Ah ouais, j'imagine bien. Je pensais que c'est moi qui le ramènerais, le tracteur d'ailleurs. Ouais, ça aurait dû être toi, ça. J'avais dit aux gens. Tu es trop gentil. Ouais. Merci beaucoup, ma Marie, en tout cas. Tu retiens tout ce que Marie a dit pour la prochaine fois. Bah, je réécouterai le stream. Hein. Attends, c'est pas fini. Ah bon? Oh non, s'il te plaît, arrête. Allez, attends, à la ferme, on va aller. Allez, doucement, on sait tout ça. Les trèfles, c'est de l'histoire ancienne. On va mettre 2-3 charolaises. Allez, la moissonneuse avance. Purée. Quoi? Elle avance pas. J'arrive sur notre propriété. Dylan, vous m'avez donné envie de remettre mon serveur FS19 en cours, en route. Youhou! Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. En fait, finalement, c'est bien ce que t'as fait en mode paysage. Cette petite plateforme. En mode paysage? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire en mode paysage? Bah, que t'as fait une plateforme plate là. C'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est... Marie, elle voulait pas. Ouais, en fait, c'est bien. Bon ben voilà, il nous reste 409 000 euros. J'ai rangé mon tracteur. Il y a un truc à faire, ah bon? Ah, enfin tranquille. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Ah oui. Voilà, on a, plein de, on a une ferme et on a plein de machines. Ouais, mais on n'a pas encore d'animaux. Oh, je suis sur ta tête. Attends. Échappe. Ok. Dans les options. Options de quoi? De tracteur? Ouais. Bouge pas. Difficulté économique? Ah ouais. Facile. Ah. Maintenant, tu vois fanaison des cultures. Ah. Attends, c'est quoi ça? Fanaison des cultures. Vous avez vu tout ce qu'il y a, ça? Ouais, je le vois, il est là.
à destruction des cultures. Ouais, parce qu'il y a des masos qui mettent destruction des cultures, d'aller voir les catastrophes naturelles et tout. Voilà, j'ai mis non. C'est tout. Un petit oiseau. Non, t'envoles pas. La bourrage périodique requis. Chou requise, ah ouais. La fanaison aussi, il faut mettre sur non. Voilà, c'est fait. Donc ils peuvent pas faner, ils peuvent pas se détruire. Mauvaises herbes, non. Ah bon? Mauvaises herbes, non. C'est tout? On va commencer simple. Ouais, t'as raison, Marie. La difficulté économique, du coup, j'ai mis facile. Bon, oui. Peut-être qu'il fallait le faire avant, mais bon, tant pis. Le reste, c'est bon, elle dit Marie. Ok. Ah, maintenant, il faut labourer ce champ. J'imagine. Faut labourer le champ? Bah, je sais pas. Bah, il va falloir acheter un silo. Oh! Ah, bah oui. Un silo? Ouais, pour remplir des choses qu'on ramasse et tout. T'as que ça qu'on laboure là, t'as que ce truc là? C'est avec ça, je pense, la moissonneuse batteuse. Ah ouais? J'en sais rien. Oui. J'achète le silo? Bah, vas-y. Merde, a été. Le bras, c'est avec la charrue. C'est avec la charrue. C'est quoi la charrue? Un silo. J'ai les silos. Silo à grains, grand silo à grains, grande extension de silo, une grange, ou petit silo bunker. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Le truc avant que tu avais. À 110 000, d'accord. Ça là? C'est ça là? Non? C'est moi qui mets le silo? Ouais, ça va être ça, je pense. C'est où? C'est quoi? T'es où? Je te vois pas. Bah non, je suis en train de. Je suis en mode en haut et j'ai le silo. Ah bah, tu le mets bien, hein? Bah, je vais le mettre. Tu le mets là devant le bâtiment, là? Non, il n'y a pas la place. Putain, bah, tu mets à côté alors. Je suis obligé de le mettre à l'extérieur, complètement de l'autre côté du champ. Il est pas trop loin. Hein. En bas, à côté de la ferme, on n'y arrive pas. De l'autre côté de la ferme, il n'y a pas les tracteurs. Il veut pas. Ah, ici, un peu plus loin, je peux. Voilà. C'est fait. Mais pourquoi tu l'as mis là-bas? Parce que je pouvais pas plus près. Il est où? Il est là-bas. Ah. Ah, il est loin, hein. Pourquoi tu l'as mis si loin? Je pouvais pas plus près. Voilà le silo. Ah ouais? Voilà, ils me disent oui, là c'est bon. Tu vois? Là on peut faire des pommes de terre, c'est marqué. Doit être labouré. Faut labourer ça, là, Cathy. C'est moi qui laboure? Vas-y, labourer, c'est laborieux. C'est ça le truc de labourage? Maintenant, s'il te reste des sous, tu peux acheter une grange. Vas-y, achète une grange. Une grange pour faire quoi? Peut-être pour ranger le matériel? J'en sais rien. Bon, je vais essayer de labourer. Je suppose que c'est avec ça. Une grange. Y a pas de grange, y a une cabane. La lame qui avait rudi sur le tracteur, d'accord. Donc c'est ça. Silo, décoration, divers. Enclos. Ferme. Cabane. Quoi, silo? Encore un silo?
Ah, Grange. Ah ouais, d'accord. Merde. Ah, comment je fais, moi? Oui, c'est pas ça du tout. Ah. Voilà par derrière et non par devant. Ah, la lame, c'est derrière, d'accord. Oula. T'as fait une grange? On a une grange, elle est belle. Ouais. Et comment ça marche? T'as cette marque en haut à gauche, c'est ce que tu peux faire. Hein. Ah ouais, mais commence bien, hein. Là t'as mal démarré, hein. Faut commencer dans le coin. Hein. Tu mets là comme ça là, puis tu fais comme ça, tac 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 tac. Allez. Ouais, dans ce sens-là. Là tu la baisses là, baisse là. Et t'as pas un truc pour faire pivoter? Pour faire tourner, ben... Oui, il y a un truc en haut, je l'avais vu tout à l'heure. Engager un ouvrier. Non, lever la charrue, limiter au champ. Faut que tu baisses et que tu avances. Donc là, ça devrait suffire. Ouais, ça marche. C'est beau? Ouais. Oh, la belle grange. On mettra des chevaux dedans. Allez, bien droite surtout. Ah oui, vu plus éloigné. Bien vu. Attention quand tu vas tourner, hein, de reprendre bien. Bravo! Ah non, j'en ai oublié un petit peu. Ah, il faut refaire, hein. Tu pouvais changer le sens de la lame. Pourquoi faire? On sait rien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ici qu'il faut faire maintenant? Ah, mais j'en avais oublié un petit peu, il y avait des petits poils. Des poils? Des petits poils qui dépassaient. Ah. Ah, t'en as oublié plein là. T'inquiète pas, je vais bientôt te filer le tracteur, dès que j'arrive au bout. Au revers. T'essayes. Mais pourquoi stop? Pour stop. Salut Phoenix. Pourquoi Salut stop? Phoenix. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'écoute. Tu fais que des conneries, mais non? Mais non, c'est magnifique ce que je fais.
Faut relever la laboureuse quand tu es en bout de champ. Ah bon? Putain. Et pourquoi? Ça va, moi. Ah, ça agrandit le champ, en fait. Ok. Il y a un truc pas normal du tout. Ah bon? C'est beau ce qu'elle a fait, là, regardez. Oui, c'est beau. C'est quoi qui est pas normal? Là, c'est beau, là, ici. Bah oui. On est des paysans, nous. Avant de commencer le champ, il fallait appuyer sur la touche Y pour limiter le champ. Oh. Ah, ça nous l'a pas dit, hein. Et du coup, je fais quoi maintenant? Ça continue, hein, vas-y. Hein. C'est beau, ça. Ah, que je laboure hors champ alors que je suis... Ben, c'est justement, c'est parce qu'on n'a pas mis la limite au champ, en fait. C'est un champ de Noël, exactement. Il y en a qui connaissent le jeu, mais qui disent tes erreurs qu'une fois que c'est arrivé, MDR. Bon, en attendant, heureusement que Marie est là, parce que on n'aurait rien pu faire, quoi. Donc là, j'arrive en bout de champ, et je vais lever le truc. Ah, faut que t'avances encore un peu, là. La lève. Tu veux essayer? Ah, je veux essayer, ouais. T'as vu que t'as laissé des poils, ici? Tu veux que je coupe les poils laissés? Là, ici, ouais. Regarde là où je suis. Faut que tu rebaisses. Faut que tu rebaisses le truc. Merde. Et voilà. Ah vite, faut que je lève. Ouais, moi, ça l'a vite fait, moi, tu vois. Là, 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 ça va être rapide, moi. Allez, hop. Tu me mets dans le gna. Non, laisse-moi tranquille. Ah bon? Ouais. À toi, mon Rudy. Ça va être vite fait, les gens, là. Ça va être nickel. Ah, attends, Y, là. Ça marche pas, Y, hein. Tu fais dans ce sens-là, toi? Je fais comme je veux, moi. J'ai rien à foutre, moi. Attends. Pourquoi Y, ça marche pas? Ça délimite pas, hein. Parce que t'avais commencé. Ah. Avant de commencer, je pense. Limité au champ, c'est bon, je l'ai. Alors. Baisser le... Vous me foutez la paix! Ah, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Allez, nickel. Ah non. J'ai oublié des poils. Ah, j'ai vu. C'est un peu chiant, ça. Faut mettre un peu hors champ. Ah ouais, bah ouais. Ah, comme ça, là. Faut que ce soit marqué permettre la création de champ. Ah. Ça permet la création de champ. C'est pas bon. Je lève le truc. Ouais, wow, qu'est-ce que tu... Hey, Marie, elle arrête pas de crier, appuie sur Y. Je l'ai fait, Y. Ah, limité au champ, c'est marqué. Mais faut permettre la création de champ. Ah, pardon. En plus, on a la tête dure. Pardon, Marie. Attention, moi je le fais comme un escargot, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est ça que les fermiers n'ont pas compris qu'il fallait faire. Putain, il me fait chier le tracteur. Hein. Allez. Là, c'est bon. Et à dire des morceaux. Et moi, avec mon ensemenceur, je peux ensemencer derrière? Bah, doucement, j'ai pas fini. Non, t'as pas fini. Allez, c'est parti. T'as bien fait de commencer par un petit champ, hein? Ouais.
Et tout ça, ça va rapporter du pognon. J'espère bien. Hein. Normalement, t'es limité de base, de toute façon, elle a dû appuyer sur Y sans se rendre compte. Sans se rendre compte, ouais, peut-être. Ah, faut mettre de l'engrais avant de semer, d'accord. Parce qu'on a deux tracteurs, peut-être je peux mettre de l'engrais sur ce sur quoi on est passé. Quand tu auras bien déboisé, tu sais, je ferai les extérieurs. Ah, je déboise, hein, je déboise. Merci beaucoup pour ton follow, Hugo Go 2060. Sois le bienvenu. On a presque fini, hein. Ah, faut attendre que Rudy soit fini. Oh. Pas que Rudy est fini. Qu'il soit fini. Oh, il reste des poils partout. Ah. Vas-y patate, oui, car le mode limiter le champ permet de modifier le terrain et à l'inverse permettre la création du champ permet de passer, modifier le champ sans modifier. Marie, je sais Dylan. Merci, j'ai plus de 3000 heures sur Farming Simulator. J'ai marqué ça pour que Cathy le lise et comprenne. Ok, ok. J'ai lu et j'ai compris. Il reste des poils. Oh, je sens cette nuit dans mes rêves, je vais labourer. Allez, à ton tour. Déjà petit. Ouais, c'est à toi maintenant, j'ai fait tout le tour là. Putain. Allez, hop. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Je te laisse terminer, j'ai fait les trois quarts déjà. Putain. Il reste un poil. Ah, c'est bien ce jeu de paysan. Ah, tu finis tout, hein? Bah écoute, ah bon? Bah, par contre, c'était pas bien qu'il puisse pas prendre un tracteur et commencer à mettre de l'engrais sur les extérieurs. Merci pour ton follow, coucou. 41 108. Après Rudy, tu peux acheter. Oh bah non, bah attends, tu me l'as dit que maintenant, il faut que je reparte là-bas dans le magasin, tout le bordel. T'en rends pas compte, toi? Rudy, l'avantage, c'est que ça participe sur le chat. Ouais, c'est clair, là. Ah oui. Moi j'ai agrandi le champ comme ça, c'est bien. Salut Akio, bonne année. Bonne année Toki Walki. En fait, pour l'engrais, il y a la largeur de d'épandage qui est large. Bien plus large que là que vous avez labouré. Ah ouais. Ah d'accord. On est content de l'avoir acheté ce jeu. Hein. Bah, on s'y met enfin là. C'est pas désagréable hein, de labourer. En fait, ils ont la vie facile les fermiers. Ils se plaignent, mais c'est quand même facile. C'est les tracteurs qui font tout. C'est incroyable quand même. Alors plus souvent ils sont aidés par l'État. C'est ça. Pauvre agriculteur. Franchement,
C'est plus facile de faire ça ou de faire ton métier? Ben ça, Bah là, oui. cette tâche-là en particulier. Au niveau d'esprit. Mais après, ils Au niveau de ont... l'esprit. Ah, au niveau de l'esprit, oui. Ah voilà. C'est sûr. Tu vois, à se plaindre, ces connards. Regarde, c'est facile comme tout. Attends, non. Pas très d'accord, je rentre pas dans le délire là parce que on sait que c'est très très difficile. Ah, c'est pas très difficile. Avant, c'était difficile, du temps de Charlie Ingalls, mais maintenant, c'est plus difficile. Hein. C'est vrai. Moi j'aimerais bien m'occuper d'animaux. Tu veux refaire? Non, continue. Désolé, je suis Putain. pas venu avant, j'étais déphasé. Bah bravo, Kyo. Bah bravo, ouais. T'avances pas vite, Cathy, là. Hein. Ben moi je laisse pas de poils moi. Des poils pour de l'herbe, c'est grave, les gens. T'as du mal, là, non? J'ai du mal à couper les poils qui restent. Voilà. Pas difficile, demande à mon voisin, il va te dire le contraire. Bah attends, y a rien à faire, tu conduis un tracteur. Faut arrêter les conneries. Hein. Bon. C'est qui dit ça? Marie. Ah bah ouais, pourquoi il a pris 30 vaches, il avait pas qu'à en prendre 30 hein, aussi en même temps. Avant que tu fais ça, je vais me prendre un café. D'accord. À tout de suite les gens. À tout de suite. Ah, j'ai encore raté les poils. Eh ben. De se lever à 3 h pour aller sur ces terres. À 4 h jusqu'à 20-22 h au soir. Non, mais c'est sûr. Hein. On plaisante. Hein. Nous, derrière notre ordinateur, c'est tellement plus simple. Moi, je laboure bien, hein. Labourer. Coucou Zactaël. Vous êtes bien mal tombé avec un champ de patates au début. Ah bon? Eh ouais, parce qu'on pourra rien en faire. Non, on pourra les vendre après les patates ou c'est foutu là ce qu'on fait? Ouais, c'est le tout début, Tokiwoki. On apprend juste la première fois qu'on touche le jeu ce soir. Grâce à Marie, on a pu acheter tout ce qu'il nous fallait pour commencer. Non, là, ça rase le champ. Oh merde, pour ramasser des patates, c'est une machine qui se loue 30 000 euros et qui s'achète 500 000. Ah ouais. Oh, dommage.
Parce qu'avec les pâtes, avec les truffes, tu peux faire des frites, tu peux faire des gratins, tout ça. Hein? Allez, labour. Labour, 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 labour. Tu veux des poules? On va commencer par du blé, parce que les poules mangent du blé. Ah, excellente idée, ça. Oh. Re. Salut Tactaël. Marie, elle a eu une très bonne idée. Elle a dit qu'après, il fallait qu'on fasse un champ de blé. Parce que comme ça, on pourra après avoir des poules. Parce qu'elles mangent du blé. On a acheté le blé. Là, on a des semences. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi les semences? Marie, elle m'a fait acheter des semences. Tu veux continuer? Et puis j'ai dit salut Tactaël. Ok, allez, je vais prendre le relais. C'est facile ou pas? Bah c'est agréable, hein. Ah ouais. Tu auras des semences dans le semoir, tu vas pouvoir les planter. Et avec le semoir, tu peux choisir ce que tu vas planter comme graines. D'accord. On va planter du blé. Comme ça, on aura des poules. Il faudra qu'on achète un épouvantail aussi. Ah ouais. Jusqu'au bout du champ, il faut tourner la charrue, mais bon, ça c'est autre chose. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Et l'heure, c'est passe comme la vraie heure, en fait, le temps. Voilà, pour l'instant, ouais. Parce que tu as un sens pour la charrue, mais bon, faut pas trop vous embrouiller. Oh putain. Il y a un sens pour la charrue. Oui. Voilà. Après, faire quoi? Plier la charrue. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, Dieu. Ah oui, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah, tu vois, Zactel. J'ai parlé de la tournée, mais laisse, on s'en fout. Ah bon? Ah, pourquoi tu me dis des choses qu'il faut pas faire? Ah, du coup, ça t'a déstabilisé là. Ah, je suis déstabilisé, là, je sais plus quoi faire là. Ben, la boule, hein. Labourer, labourer, Ah bah là je suis pas bien, hein. Je suis moins bien que tout à l'heure. c'est quand même un sacré bordel, notre... Ah, toutes les machines. Ouh, on va voir la grange. On peut pas rentrer dans la grange. Là, moi aussi je voulais rentrer, mon coco. Non! Tu veux rentrer? Faut qu'il fasse plus d'efforts quand même dans dans le développement de ce jeu, hein. Merde. Et du coup, elle sert à quoi cette grange? Je sais pas. Mais c'est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. Mais au niveau anti-stress, labourer un champ sur Farming Simulator, c'est sympathique, hein. C'est facile. C'est sympathique. C'est facile. Bah ouais, mais je te dis, au niveau des stressants, c'est pas mal. Ouais. C'est un morceau-là.
C'est la merde là. Reste de poils. La grange sert à stocker de la paille, vous verrez ça un peu plus tard. D'accord. Rudy, c'est pas marqué déplier la charrue ? Déplier ? Ouais. Je sais pas. Lever la charrue là pour l'instant. Mais t'as pas déplié ? Bon. Mais sérieusement, on a pris plus de petits champs. Imaginez si on avait acheté du huit direct. Ça aurait été la catastrophe. Ah ouais, mais il y avait des champs encore plus petits. Hein. Allez, Rudy. Ça commence pas à m'énerver, hein. Il reste des poils là, ça m'énerve. Voilà. Putain, il veut pas partir cet enculé. Ah, regarde, j'ai une nouvelle un nouveau système. En rond comme ça, regarde. T'as vu ? Ouais, mais le problème, c'est que... Ça n'arrache rien. Ben voilà. Ouais, d'accord. Tu sais que tu pourrais écrire Cathy avec ton... Ouais. Pourquoi ce morceau, j'arrive pas à l'avoir là ? Pour commencer, c'est une bonne taille, c'est pas plus grand. Ouais, t'as raison. C'est bon, c'est rattrapé. Allez, ah, reprends. Ouais. Ah merde, avant ça. Allez. Toki Woki, je pense l'acheter. Bah écoute, moi j'aime bien, vraiment. C'est bien foutu quoi. Comme la taille de ton Kirikou. Tu veux qu'on te passe ton Kirikou à la moissonneuse, Dylan? Fais le malin, fais le malin. Elle était dans le truc là. Dylan, ton Kirikou ressemble à une Knacky Ball. Donc bon, Cathy, si tu l'assistes avant, pourquoi pas? Jamais. D'ailleurs, on parle de ton Kirikou. Alors, je comprends pas de quoi tu parles quand tu dis là. Voilà. Non mais... C'est bien aussi ce système escargot, hein, je trouve. Ouais. Ça évite de bouger la... Justement, t'as pas besoin de bouger la charrue. Elle reste sur dans le même angle. C'est vrai. Et pourquoi il y avait des espèces de routes dans notre champ? Et quelqu'un qui était passé par là et qui avait saccagé notre champ de patates? Je sais pas. Vous commencez pas à vous habituer à venir ici, hein, les petits oiseaux, hein. Non mais... Il faudra mettre un époux Dylan. Ouais. Là, t'es sûr qu'il n'y en a pas qui viennent. Il va faire l'hélicoptère avec son Kirikou au milieu du champ. Youhou! T'es sérieux, Rudy? Allez, je te laisse terminer. D'accord. Ah ouais, chacun son tour, hein. Oh. Allez. Et cette fois-ci, je termine. Ah bah, je pense, hein. Toi, tu feras l'épandage. Un époux Dylan. J'ai pas compris ton mot, Moinous. La voile est trop petit pour mettre un vol. Tu veux quoi, ma Marie? Tu veux que je fasse quoi encore? Tu veux encore me faire travailler alors que je viens de travailler? Ce que tu peux faire en attendant, ça va te faire râler. Ce que tu peux faire en attendant, ça va te faire râler. Comment ça?
Mais non, tu le fais mauvais sens là. Non, mais j'ai fait exprès. Parce que tu vois bien que ta lame, elle est plus vers la gauche, du coup, tu coupes rien vers la droite. Ah. C'est pour ça que c'était bien tourné comme un escargot. Ah, d'accord. Et ça, c'est un petit truc astuce que je donne à tous ceux qui ont une ferme dans la vie IRL. Faites labourer un escargot, les mecs. Faites la spirale plutôt que faire des lignes droites comme des cons là. Hein, bande de cons. Vous faites des spirales dans le champ. Tu peux faire le plein de l'engrais, j'ai oublié en cours de route. C'est au magasin qu'il faut que tu ailles avec le tracteur et le réserver. Hein? Attends. Et voilà. Tu peux faire le plein de l'engrais, j'ai oublié en cours de route. C'est au magasin qu'il faut que tu ailles avec le tracteur et les réserver à l'engrais. Ouais, quoi, ouais. Bah, on a un truc pour faire l'épandage. Il faut que tu ailles le remplir comme on a rempli les trucs de semences. Ah bon? Et ouais. C'est quoi l'épandage? Ah, il faut que je prenne un truc avec le tracteur. C'est quoi l'épandage? C'est quelle machine? Ça ressemble à une sorte. Je sais pas. Je dirais des conneries. En fait. À côté de la benne. Celui-là, là, celui qui est derrière moi ou pas? Le rouge, ici? Avec l'échelle? Non, l'autre. Ah, d'accord, ok. Donc pas celui-là, l'autre. T'as tué rire, toi? Oui, parce que c'est vraiment pas de chance. Là, je laboure absolument rien. Celui-là. On se débrouille bien, hein, Marie? C'est un massacre ce champ. Bah ouais. La pale, parce que tu disais que Dylan allait faire l'hélicoptère avec son. Ah oui, la pale du moulin. Ok, j'avais pas. Oui. Oh merde. Allô, tu me reçois? 5 sur 5. Va être parti au magasin pour chercher un grès. D'accord. Bah. Faire attention à toi, hein. Ah, non, non. Mafia russe, pas loin. Moi, continuer encore à faire chant. J'espère que toi, aller plus vite prochaine fois, parce que à ce tarif-là, on va pas gagner grand-chose. En attendant, c'est moi qui est en train de travailler, hein. Je me fais quoi, bordel? Je suis parti là au magasin, j'ai pris le tracteur et tout là. Pendant toi que tu restes à la maison comme femme, moi je suis parti faire l'homme sur les routes. Hein. Vas-y, va faire ton bonhomme. Oh, ça m'énerve quand tu restes les poils. Hein. On va chercher bonheur. Exactement. Voilà Marie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici là? Est-ce qu'il faut que je le détache? Moi faire champ parfait. On va sur P, d'accord. Non, détache pas, ok. Ça doit être là-dedans, je pense, mais on va attendre. Ok, j'y suis. Dans les grands sacs. Sac blanc et jaune. Donc c'est dans les grands sacs. Donc cochon, avoine, ensuite engrais solide.
Grand sac d'engrais solide. Ouais. Il faut en acheter combien? Oh merde. 3-4. Ok. Je vais en prendre 3 parce que j'ai peur qu'il n'ait trop. Hein. Ouais, tout à l'heure j'avais acheté 3. Je sais pas si ça va être pareil que pour la semence. Merde. Je veux bien mettre la boîte parce que j'ai peur de prendre celui que Cathy avait laissé. Ah ouais. Ils prennent des semences au lieu de prendre. Ça reste ça, c'est pas dommage. Ah merde, attends. Voilà. Si je suis là, normalement ça devrait marcher. Youpi, youpi, youpi. Là, je peux y aller là. Ah, tu peux pas mélanger de toute façon. D'accord. Ok. Ah non, c'est pas là. Merde. Terminé quand le stream? J'ai une petite envie de me masturber et de dormir là. Putain, Putain, moi nous. c'est quoi ça? Putain, vraiment tous les jours pendant un an, on va être gâtés, on va voir ça. Toi, tu rigoles. Je sais pas, vous aimez ou quoi? Ils détestent, je pense, les gens. Y'a que Marie et nous qui aimons. Bah, c'est vachement agréable à jouer. Les gens détestent, ils ont envie de s'endormir devant. Dylan, moi j'adore. Ah ouais, c'est vrai? Zactael, moi j'aime bien. Ah ouais? Ah bon, bah alors, ça va alors. Moi nous, vous voir galérer en chier, c'est drôle. Donc il adore. Putain. Moi, être de retour à la ferme. D'accord, d'accord. Moi, je fais quoi avec la semence là? Je la range? Bah, tu vas ensemencer le champ. Bah, tu vas comment? Oh merde. Oh merde. Allez. Oh, c'est trop beau, hein. Avoir plein d'oiseaux qui sont sur notre champ, viens voir. Merde. Oh. Peut-être toi devoir téléphoner à Dylan pour que lui vienne venir faire tournage Kirikou au milieu du champ. Attends, je vais rappeler lui. Hein. Allez. Allô, fils de moi. Tu vas venir pour faire épouvantail au milieu du champ. Là. Ah, bisous maman, hein. Quoi? Comment ça? De dire qu'il est en prison. Oh, moronnier-toi, hein. Allez. Lui avoir fait encore le con, apparemment. Donc c'est bon, quand on est sur le champ, il a besoin de chaud. Il a besoin de chaud.
Donc là, je peux mettre la semence? Bah, je sais pas, il y a besoin de chaud. C'est. Ouais, bien. Ça a vite fait, bien fait, moi. Je me mets en plein centre, les gens, regardez bien, hein. En plein centre? Attention, attention! Attention! Rudy, bon, tant pis. Ah. Et voilà, travail terminé. Ils vont dire que c'est difficile après, les gens. Allez, ça c'est fait. Faut arrêter les conneries, hein. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Putain. Maria n'en peut plus. Voilà. T'as vu, moi avoir mis la semence en plein milieu du champ. Être tranquille avec ça. Maintenant, faut attendre que les oiseaux arrivent dessus pour éparpiller tout sur le. Non. Marie, elle est au bord du suicide. En fait, je pense que je suis meilleur élève que Rudy. Je suis moins dissipé. Bah attends, j'ai rien fait, j'ai fait que ça là. Y'a qui c'est qui était chercher au magasin et tout, ça va aller, oui. Bon, il faut faire quoi maintenant? Ah bah faut attendre que les oiseaux éparpillent tout pour nous, hein. Est-ce que caisse ouverte? Oh, caisse fermée! Comment veux-tu que les oiseaux viennent? Vas-y, retire la vache. Vas-y, retire la vache. Attends, je vais appeler Pierre. Oh, je pensais plutôt à Jean-Pierre. Ah non, Pierre Bachelet. Bah, Jean-Pierre avec la vache. Regarde, je retire la bâche. Cathy, va dans le champ, s'il te plaît. Ouais, j'y suis. Ah oh. En bas à droite, c'est marqué possédé par vous, fertilisé 100%, a besoin de chaud. Voilà, moi je vais retirer bâche. Ah, merci. Donc du coup, quoi nous devoir faire? Ah, viens voir. Ah, regarde, de bâche. Bâche être retirée, viens Cathy. Regarde. Nous, pour avoir besoin en gré. Pardon. Tu dois avoir besoin de chaud et pas un truc. Un truc qui poufia savoir dire ça à moi. Voilà. Du coup, même opération, machine à chaud et magasin. Bon bah j'y vais alors. Qu'est-ce que t'en penses? Non bah non, je vais y aller. Tu peux y aller? T'as qu'à remettre ça en place, tu remets la bâche et tu remets en place là. Parce que... D'accord. Ah mais du coup, est-ce qu'il me faut un... Pourquoi... Dans quoi je transporte? Non bah vas-y toi, vas-y, moi je m'occupe de ça. Vas-y, je m'occupe de ça. Ouais. On en a une de machine à chaud? Je sais pas. Oui, c'est celle-là, ok. Je me rappelle maintenant. T'as quelle machine à chaud? C'est en fait... c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'espèce de cuve qui est à gauche de mon tracteur. Merde. Ah bon, bah je vais le prendre, vas-y, va ranger le truc toi. C'est là le rouge là? Ouais. Ici là? Ouais. J'avais raison tout à l'heure en fait. Putain. C'est ça Marie? On est en train de détruire le champ, rouler dessus comme des gogoles. Marie, quelqu'un? Quelqu'un Marie? Alors, on a ta bâche. Oui, c'est ça, d'accord. Allez, j'y vais. Pas demain qu'on aura des poules, hein. Ma chérie, tu me reçois. 5 sur 5, mon cœur. La fermière voisine avoir dit à moi qu'il faut acheter en grès. Elle avoir dit n'importe quoi. Ah, ça serait une grosse confiance. Attends. Bon, comment faire, maman? Et moi, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Moi, aller faire petite cuisine. On va rentrer à la maison.
Toc toc toc. Bon. Tu te touches comme une folle toute la nuit. Putain. Non, Manus. Comme une folle. Aspirateur. Échelle. Avec les yeux qui louchent. Putain. C'est mignon, hein, quand même. Prends le semoir si tu veux. Et je fais quoi avec le semoir? De toute façon, je dois attendre qu'il répande la chaux avant de semer quoi que ce soit. Mm-mm. T'as raison, je vais installer. Le semoir, c'est ce machin-là, hein, c'est ça? Eh mais on n'a rien fait avec la moissonneuse batteuse. Ah, ce sera après pour récolter. Allez, on va prendre ce moire. Purée. Oh, ça part de l'autre côté. Bah non. Putain, il faut mon permis tracteur. Là. Ah voilà. C'est difficile. Avec une... Franchement, c'est très difficile avec une remorque. Ouais, c'est vrai. D'aller droit en arrière. J'y arrive pas. Là, ça tourne là. Ça s'accroche pas. Tu as du mauvais côté. Ah, là j'ai réussi. Putain, c'est. Ah non, ça bouge encore. C'est un truc de fou. Ah. C'est très difficile, les gars. Ah, c'est trop. Pré-assommé. Bon, on va acheter le truc, là, t'as raison. Ah. Allez. Yeah. Alors, le truc à chaud. Grand sac à chaud. Il en faut combien? 3? 3. Je reviens tout de suite, les amis. Du coup, je vais faire un petit tour aux toilettes. Je reviens. Bizarre ce truc. Non, sérieux, j'y arrive pas. On va arrêter de se faire chier. Hein. Alors on va se mettre là, ça va être très très bien, hein. Ça va être super. Hein. Ah ouais. Ce que j'étais en train de faire, Marie, j'en avais marre. Ah, je suis trop loin. Mais... Je peux encore en acheter un.
Heureux. Heureux. J'ai pris un petit yaourt en passant. Oh, bravo. Voilà. Voilà quoi? Ben, j'ai acheté. Bravo. Attends, direction le champ, d'accord. On va faire attention à la largeur d'épandage. On n'a plus beaucoup de sous, hein. Non. J'espère qu'avec un champ de blé et des poules, on va ramener plein de sous. Je sais pas gros. Et l'arrêter. Faudra faire attention à un et à l'arrêter quand tu arrives au bout du champ pour pas gaspiller. D'accord. Ah, t'arrêtes de gaspiller. Hein. Je viens de manger un yaourt grec, à la grecque. J'aime bien. Très bon. Voilà. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas, c'est la même chose. Les poules font des œufs que tu peux vendre suivant le prix, mais c'est pas ce qui rapporte le plus. Ah. Toi, t'as coupé chez le voisin. Il m'a fait pour sa gueule. Mais après, les poules, elles vont pas manger tout le blé qu'on va produire. Donc on va vendre du blé aussi. Les semences qui rapportent au début, c'est l'avoine, il me semble, et le soja. Mais bon, là, vous apprenez les bases du jeu. Oui. De vendre du blé aussi. Cathy, j'arrive pas. T'arrives pas à faire quoi? À me placer comme je veux. Moi, je suis sur le toit. Là, est-ce que tu ferais pas plutôt l'inverse, commencer par le milieu? Ah ouais. Putain. Au secours! Bah, comment je peux t'aider? Je suis coincé, les gens. Merde. Ah, c'est bon. Oh là là! Mais qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Au secours! Au secours, regardez, je suis coincé! Mais qu'est-ce que t'es venu ici? Putain, on va regarder. Comment je fais, Marie? Marie, au secours! Aïe, aïe, aïe. Tiens, t'as qu'à le faire, toi. Putain! Bonne chance. Oh merde. Saloperie d'arbre, hein.
Ah putain. Mais comment t'as fait? Mieux. Merde, raté. C'est bon. Voilà. Allez, fais joujou. Ah, c'est toi qui fais là. Ah bon? Oui. Alors, activer épandeur à engrais. Ah, mets-toi bien pas au milieu, hein. Bah, pourquoi on ferait pas l'escargot vers l'extérieur? Ça va être très dur à voir où t'as vu, non? Tu crois? Je sais pas. Ah, t'as raison, Marie. On va commencer dans ce coin-là. Voilà. Oh! Oh, c'est dur! Pourtant, toi, tout gaspillé, bordel. C'est un petit trou là. Oh merde! Mais n'importe quoi là! Voilà. Oh, ça va pas, il reste deux trous là. Un ici et un là. Oh putain. Ah ouais, c'est difficile de faire marche arrière en dirigeant. Je te l'avais dit. Allez! Voilà. Ah, Voskati, ah, Voskati. Il faut. Non, mais reste droite. Non mais il faut pas gaspiller. Donc je mets Bah, là, une bah, t'as plus que moyenne. gaspillé déjà. Hein. Donc on a vu que la largeur d'épandage c'était à peu près ça. Bon bah j'y vais, hein. Allez, c'est parti. Oh là là. Il va y avoir des trous. Oh mon Dieu. Oh, ça va être trop nul, hein. Aïe, 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 gros trou ici, là, c'est horrible. Oh là là. Cathy, Oui. toi, va très mal fait, hein. Je veux savoir ça, hein. Ah, c'est trop foutu.
Ah, si tu t'espères pouvoir reculer comme ça, tu te feras le doigt dans l'œil. Hein. C'est horrible. Bon, tu vas vouloir jouer un peu. Oh, toi, tu vas faire plein d'erreurs, regarde. Ici, là. Ah, je dois repasser là-bas. Ouais, bah, oh, tu vas avoir tout gaspillé, tu vas être foutu. Oh, bordel. Le plus compliqué, c'est de faire demi-tour, c'est clair. En fait, il faut tout faire en avant et... Wow. Même là, hein, toute la rangée là jusqu'à ici, c'est pas bon. Ici! 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 Putain. Oh les cotis! Oh les cotis! Oh les! Oh les cotis! Oh les cotis! Oh les! Allez, recule! Oh les cotis! Oh les cotis! Oh les! Oh les cotis! Oh putain! Bon! Mais non! Active pas maintenant! Mais si! Putain, mais t'en fous partout! Mais oui. T'as le gâchis des gens, regardez-moi ça! Oh! En vrai, fallait pas gaspiller! C'est une catastrophe! Catastrophe! Oi, oi, oi! Bon, à toi de jouer! Bah, toi, avoir mal fait ici, là! Où ça? Là où moi être. À partir de là, là. Je pense qu'on a gaspillé les gens. Un petit peu. Un petit peu beaucoup, ouais. Ah, c'est moi qui joue là, parce que là, c'est plus. Jonathan, plus, là. Tout est fait. Donne. Tout est fait où? Y'a rien de fait du tout, là. Allez, Rudy. Allez, Rudy. Comment tu vas m'énerver, là? Et moi, ça, c'est que pourquoi y'a un trou, là? C'est vraiment très moche. Éloigne ta vue, Rudy, pour voir ce que tu fais. Voilà. Oh là 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 là. T'as épandé. Épandu. Je sais pas comment on dit. Oh là là, un petit peu plus à droite, c'est des petits trous. Non, c'est très bien là. Là, c'est bien maintenant. On dirait de la neige, c'est vrai. Petit trou là. Après, je sais pas si c'est important. Follow.
Facile, hein. Putain. Bon, allez, c'est parti, hein. Pour se faire chier. On est bien là. Ouais. Petit trou ici. Après, c'est une question d'habitude, bah ouais. Ok. J'ai vu qu'il y a un petit trou là-bas aussi. Être trou ici aussi. Ou être... Oh non, ça va aller, hein. À peine. Parfait. Un peu plus devant. Dégagez, bande d'oiseaux de malheur. C'est parfait, hein. Et si tu veux commencer à semer, tu peux si tu veux. Je peux, mon Rudy? Attends, je suis pas fini là. Ah, même si t'as pas fini. J'ai pas fini, d'accord. Putain. Oh, t'as oublié un petit trou. Oh putain. Là-bas aussi. Yeah. Bravo! Superbe chant de nous. On a déjà perdu 3 années là juste pour comprendre comment ça marche. Eh mais putain, j'avais mis les semences. Ah non, t'as... Quoi? T'as pris le tracteur avec lequel auquel j'avais attaché les semences. Et donc? Ouais, et donc je suis obligée d'en reprendre. Bah c'est pas si grave. Ah non, c'est pas grave, non. Mais j'avais tout préparé tout à l'heure. Bon bah c'est parti. Alors, attention. Ça va être le même problème hein, pour les demi-tours. Tu mets là? Hein? Non, non. J'appréhende.
Ce serait pas plus facile de faire ça en marche avant, en fait. Bon. Oh, t'as fait tout le tour comme ça, énorme pour revenir ici. Je sais pas. Une nubie. Ah, t'es pas bien du tout là. Commence pas. Que tu sois plus ici. Hein. Et on sait pas quelle est la. Ah, t'es pas bien du tout là. Oh putain. À mon avis, tu devrais commencer là, tu vois. Tu viens ici là, tu commences ici. Putain. Ah, t'es pas mal là, t'es pas mal. Comme ça ? Ouais, vas-y. Allez. T'en semences là ? On voit rien. On voit pas ? T'en semences là ? Bah ouais. Attends, on voit pas, c'est délimité où ? On voit rien ? C'est normal, Marie ? Marie ! La largeur est égale à celle du semoir. Continue, avance, 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 avance encore un peu. Stop. Pour la semence. Hein. Et là, comment tu vas savoir où tu dois prendre? La largeur est égale à celle du semoir. Bah, c'est pas évident. T'avais ta roue qui arrivait là. Donc là? Bah, je pense. Imaginez que là c'est pas mal. Attends. Ouais, plus à droite. Faut déplier la machine avec X. Hein? T'as rien fait en fait là en fait. Ah ouais, t'as rien fait. Ah ouais, d'accord. Ah non, là je replie maintenant. Ah, attends. Tac. Baisser la machine. Donc là, normalement, c'est bon. Donc tu l'as pas fait tout à l'heure? En direct, non. Ah bah, on recommence, hein. Au bord. Oh putain. Ah, t'es pas bien du tout là. Y'a toujours des oiseaux hein, dans le champ. Je peux essayer moi pour voir? Oui. Voilà. Comme ça je vais défaire la première rangée puis on verra. Alors, Cathy, quand tu es au bord des champs, fais déjà X pour déplier la machine. Ensuite, V pour descendre le semoir et B pour démarrer la machine. La largeur est égale à celle du semoir. Voilà. Donc là, je suis bien, d'accord? Donc là, c'est bien. Alors, X, c'est ça? Pour déplier. Donc là, tu replies. Donc, il d'accord. Faut voilà. Ensuite, tu abaisses. Donc V. Le V. Machine à lancer. Donc là il est déjà baissé en fait. Ouais. Donc là il a baissé. Voilà. Et ensuite B pour commencer. Ah oui, on voit. On voit ? Oui, on voit. Ah oui. Faudra se cotiser pour offrir un masque avec micro pour Crazy Patate pour qu'elle puisse venir avec vous. Ouais. Bravo. Voilà, j'ai fait B donc j'ai arrêté.
Au bout du champ, le mieux, c'est appuyer seulement sur V. Sur V? Ouais, parce que ça doit... Bah, pourquoi? Pour lever la machine. Ça relève, ouais. Ah, ça va faire chier une fois de plus, ça. C'est pas évident, hein. Ok, loulou. Bah, je suis bien, là. C'était bien. Merde. Ah, merde. Ouais. Ah, bordel. C'est pas facile, hein. De toute façon, il manque un morceau, regarde. Ouais. Ah, je pensais que les petits rajouts de boue, on les ferait à la fin. Ça va, même les bords qui sont, on croirait que c'est pas ensemencé, ils le comptent en cours de croissance. Ah, d'accord. Après, c'est une question d'habitude, quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais bon, ça prend un temps fou, tout ça. Là, j'ai fait V. Bah oui et non, quand tu sais y faire, ça va forcément plus vite. Oui. Là. Donc un morceau. Ouais, mais ça. Il dit pas, tu sais, que c'est en cours de croissance, donc c'est pas. Putain, j'arrive pas à le stabiliser, ce bâtard. Ah Marie, les petits bouts qui restent comme ça, c'est pas grave. C'est fertilisé, c'est ensemencé quand même. C'est pas grave, après fini le chant, tu repasses à la fin au pire. Voilà. C'est chier là, je suis raté. En fait, ce qui est chiant, c'est que t'as pas beaucoup de place ici pour. Je vais faire. C'est vrai, pour tourner, ouais. En fait, il faudra peut-être faire le truc en droit là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends. Là, comme ça. Ouais, comme ça, ça laisse plus de marge. Voilà, c'est ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Fait chier. Bon, on va prendre de l'autre sens. Qu'est-ce que c'est dur en fait de tourner avec ça? C'est clair. Je vais passer carrément derrière l'arbre pour être sûr d'être droit.
Donc là, il y a un petit morceau, je vais le faire. Voilà. Ah merde, direct, ça va pas aller. Putain. Putain de merde. Bon, attends, je vais reprendre ici. C'est galère, hein. Franchement. C'est quoi déjà? C'est V? Non, B. Ah merde, je sais plus. V. J'arrive pas. J'arrive pas à le prendre droit en fait, cette merde. Ouais, c'est fou. Hein. Ah là, je suis pas mal. Ouais, bravo. Ok. Eh ben. Le cacao. J'ai passé un temps fou hein, pour ces trucs-là. V, je crois, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai rien dit. Ah, c'est nickel chrome. Tu peux lire ce qu'a marqué ma Cathy, Marie? Je n'ai pas obligé de prendre l'un à côté de l'autre. Des fois, je prends d'un côté d'un champ et je repars de l'autre côté. Ça me laisse comme ça un grand espace pour faire demi-tour. Je sais pas si tu m'as compris. Non. Voici que tu fais d'un sens de ce côté du champ et que ton demi-tour tu le feras de l'autre côté du champ par exemple. Tu sais? Parce que t'es un peu. Ouais. Tu fais demi-tour où? Là? Bah, qu'en fait, quand t'arrives là avec ta machine, Oui. genre t'arrives, tu passes derrière les arbres et tu rattaques, hop, et tu fais dans ce sens-là après. Tu sais? Non. Bah, je viens de te le faire. J'ai pas vu, j'étais en train de conduire le tracteur. Ah. Putain. Putain, allez! Voilà. Fais en fait un arc de cercle pour arriver de l'autre côté dans le même sens. Je t'ai suivi, Marie. Je ferai là comme ça de suite. C'est ça? Non, non, non. Que quand Non. t'arrives en bout, tu sais, Ouais. t'arrives en bout de champ, là, t'as fait bzzzt. Et Ouais. ben, tu fais ton demi-tour, comme ça, un arc de cercle, pour rattaquer et faire là. Ah ouais, Bzzzt. d'accord, ouais. Ok. Ah, je comprends. Il faut, ouais. Fais bien le bzzzt. Je fais comme ça et je fais l'arc de cercle là-bas. Ouais. Plutôt que de rattaquer au même endroit. Putain, je vais pas être bon. C'est quoi la CD?
Putain, c'est dur quand même. Hein. Ouais, c'est dur. C'est vrai. C'est facile le métier, c'est dur de conduire le tracteur. Ah ouais, cette méthode là. Eh oui. Ça peut le dire avant quand même. Hein. Oh là. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas si simple quand même, regarde. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est dur à choper quand même. C'est clair. Bah, dur, oui, parce que tu apprends aussi. Après, quand tu sais le faire, ça va plus vite. Ah, c'est ça. Dans un an, on sera bon, quoi. Et c'est vachement long. Ouais, c'est long. T'as le coup là, ça y est. Ah merde, je suis rien là. Ouais. Putain, pourquoi je suis rien? Parce qu'il faut faire V. Non, oui, parce que tu as du petit matériel. Après, tu peux en acheter de plus grand, mais le prix n'est pas le même. Ah. Merci les amis pour mes souhaits. Oh, tu commences à aller plus vite. Merci pour le follow. Yeah. Fred. Un chat comme ça, je te le fais en 2 minutes, moi. Putain, qui dit ça? C'est Marie, elle dit, je déconne. Non, mais c'est sûr que tu dois le faire beaucoup plus rapidement que nous. Des morceaux, là. On passera après, t'inquiète. Putain, du coup, je suis parti, ça va pas du tout. T'as baillé là, non? Ouais. Dégagez les oiseaux de malheur, c'est notre champ. Et après, ça grandit en combien de temps, Marie, au fait?
Ça, c'est la catastrophe, non? Putain. Il reste un morceau là-bas, je vais y aller tout de suite. Comme ça, au moins, ça s'est fait. Ça dépend si c'est en normal, lent ou rapide. Faudra avancer le temps. D'accord, d'accord. Ouais, bien géré ça. Merde. Toute une bombe qui va rester là. Ouais. Et merde. Putain. On fait chier là. C'est vraiment, vraiment pas évident. Et là, comme l'engrais est à 100%, il n'y aura plus rien à faire sauf avancer le temps et attendre que ce soit poussé. D'accord. Malgré les apparences, t'as vu que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Parce qu'après, on va attendre de faire la première récolte avant d'acheter des poules. Il faut autant avoir du blé pour les nourrir. Ça va, mon Rudy? Non. Merci.
T'en sors comme un chef. Tiens, je vais terminer, j'en peux plus. Il reste deux lignes et des petits trucs. Enfin, une ligne même. Ouais, j'ai pas tout l'entraînement que tu viens d'avoir. Truc là sur le côté. T'oublieras pas de faire V quand tu seras bien placé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais les côtés, les bords là. Ah merde, j'ai pas activé. Putain. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il fallait effervé et activer. Merde. Bon. Oh putain de merde. T'as vu? Aïe aïe aïe! Non, non, je vais faire demi-tour plus loin. Putain! Allez, quand tu... N'oublie pas de baisser et activer. T'as relevé là, hein, j'espère. Ouais. Oh, c'est pas si mal, là. Reste plus qu'une ligne là. Allez, quand tu... Ouais. Elle est beau le champ. On a un beau champ. Donc il reste des petits morceaux. Entre où? Il y a ici. Où je suis là. Attends, est-ce que j'y vois que dalle? Là, ici. Et... Putain! De toi, hein. Donc ici tout le long. Et après, ici, là. Ouais. Et ben voilà. Et tous les petits bords là, on s'en fout. Oh, laisse. Donc c'est bon là. Bah c'est bon, arrange tout. Le plus beau champ du monde, exactement. Oh.
Voilà. Ouais. Vous savez combien de jours a poussé? Ma Marie, elle disait, ça dépend de si on est en mode lent ou rapide, il faudra Bah, peut-être j'ai mis en accélérer. rapide là. Comme on a, t'as désactivé le truc pour la fanaison et tout, donc même quand ce sera poussé, ça devrait pas. Dormir, air. Vous n'êtes pas fatigué pour l'instant. Ok, super. Du coup, on quitte comme ça, comme des voleurs. Ben, je sais pas, ça a poussé la Marie. Pour le temps, 7 pour diminuer, 8 pour monter. Je l'ai mis au maximum. Et là, Dormir si à on partir de dort, 20 h, tu peux l'activer. D'accord. si on quitte, ça continue à pousser ou pas? Non. Ah, d'accord. Donc à partir de... Là, tu vois, je suis en fois 120. 120 fois plus vite là. D'accord. On voit les minutes, elles passent très vite. Ah, ça commence à pousser. Au bout de quelques heures. Regarde. Ah ouais. Ah ouais. C'est très Mignon, rapide. hein? On voit qu'on a déjà fait les extérieurs. Ah ouais, ça pousse aussi de l'autre côté, à l'extérieur. Si la partie est hébergée sur ton PC, ça se mettra en mode pause. C'est Rudy qui héberge? Non. C'est pas du bio, ça. Ben, si, c'est du bio, on a mis de la chaux. C'est naturel. C'est bio ou c'est pas bio? C'est bio. Ah, il va faire nuit. Viens, on va aller dormir. Ouais. Ah, Marie, elle a dit à partir de 20 h, tu peux dormir. Ouais, donc dans très peu de temps là, tu vois. Tu vois l'heure là? Ouais. Attention. C'est bon. Hop, Attends, sélectionner sélectionnez la la durée de durée de sommeil. sieste. Je mets un maximum. Maximum? Ah Je oui, mets d'accord. 13 heures. C'est bien Allez. ça. Ah ouais, voilà. Wow, c'est beau. Joueur Cathy veut dormir, accepter sa demande. Ah, je peux le refuser en plus. Voilà. Eh ben. Ah merde, on a passé toute la journée. Incroyable, qu'est-ce qui Putain. s'est passé? T'as vu le temps comme il va vite là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouah, le champ il est tout poussé. Pourquoi ça pousse? Attendez! Qu'est-ce qui se passe quand même, Marie? Qu'est-ce qui se Faut passe? baisser le temps, hein? T'as plus. Ah, voilà. Ah. La vache! J'en ai 30 secondes. Alors, il faut faire quoi maintenant? Bah, faut quitter, hein? Ah, mais c'est. Ah, bah, après, faudra moissonner. 100% prêt pour la récolte. Ah, ouais. Est-ce que si on attend demain, il sera pas trop tard? Non, puisque t'as mis fanaison off et comme t'as mis sur et comme on va quitter, ça se mettra sur pause. Ah, mais il n'est pas hébergé chez moi le truc, hein. Ah. Elle est hébergée sur un serveur public, hein, Vous pensez que ça sera encore bon ou ça va partir, les gens? Si on revient demain soir, ça sera bon, Marie? Hébergée sur quoi? Mais j'en sais rien moi. J'ai choisi partie privée, gna gna gna, je sais pas. Quoi qu'il est peut-être sur mon PC, hein. Si peut-être, en fait. Je vais faire sauvegarder. Sauvegarder la partie. Ah bah Voilà. oui, comme ça on reviendra là. Voilà. Bah voilà, Paramètres du serveur, il y a quoi dans paramètres du serveur? de toute façon tu as pas la fanaison donc ça restera. Ouais. Ah merde, on a tous vu mon mot de passe que je dois changer. J'avais mis
J'ai changé ça tout de suite. On sait jamais, hein. Mais justement, c'est sur mon PC, comme on l'a dit tout à l'heure. Faire ça. Voilà. Je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre un mot de passe, mais bon. C'est mis. En fait, ça sert peut-être à rien de mettre un mot de passe quand on met que deux joueurs. Bah, c'est ça. C'est ce que vient de dire Dylan. Bah, ouais, ouais. Bon. Bon, c'est pas grave. J'ai mis quand même. Eh bah, écoutez, voilà. Bah, jolie petite découverte, sympa. Ouais. Donc, il faudra. Ouais, je sais pas. Tu seras là, Marie, la prochaine fois, parce que nous, on s'est pas ramassé, ça. Vas-y, tu vois la moissonneuse batteuse, et puis hop. Ouais, puis après, faut mettre dans le silo, non? Ouais. Et puis okay. Après, il faudra acheter les poules. D'accord. Au moins, vous okay. Avez presque toutes les bases. Bon, c'est cool. Faudra, ouais, je vous rappelle pas de tout. Hein. Dans le silo, oui. Ah, on peut boire un coup si t'as soif. C'est bonne. Gros bisous, à demain, ciao. Gros bisous les amis. Ciao.